parce que vous l'avez lu. Pascal va expliquer pourquoi on nous demande de prendre cette délibération. Voilà. Donc, les considérants, je ne vous les lis pas, hein, vous les avez tous lus. Ça, c'est la première délibération. Il y a une deuxième délibération, c'est l'approbation des statuts du SMD3 que vous avez eu en annexe et qu'il faut aussi adopter dans le même cadre de sécuriser au point de vue légal, législatif, juridique, c'est plutôt le terme, le passage futur à la redevance incitative. Donc, alors, pour introduire le débat, il y a ces points spécifiques avec en feuille de route dans la redevance incitative. Bon, on peut être pour, on peut être contre. Par contre, on est dans des cadres juridiques particuliers et des transferts de compétences qui s'imposent à nous. C'est le point qui est aujourd'hui porté à vos suffrages. Comme Pascal va l'expliquer, un peu quelle est aussi ce qu'il a déjà fait, la politique et les objectifs du SMD3, le débat reste ouvert et chacun posera les questions qu'il veut. Je souhaite que la parole soit libre. Et je préfère entendre des choses ici que derrière. Donc, je crois que ce débat est nécessaire et je vous serai reconnaissant de bien vouloir poser toutes les questions que pose cette collecte des ordures ménagères. Donc, il y a un double changement pour les uns, double décision à prendre. Cette décision influera sur la possibilité, ou non d'ailleurs, de passer à la redevance incitative. Je vous dirai mon sentiment à la fin du débat. C'est pareil, l'adoption des statuts permet, courant de ce mois, de prendre, que le SMD3 puisse prendre une délibération aller dans le sens que va vous dire Pascal Protaneau. Mais on en profite aussi pour poser le débat, même si encore rien n'est totalement décidé, il vous le dira, sur le ramassage en porte-à-porte, qui reste possible, sur le ramassage, la collecte en apport volontaire et un petit peu ses conséquences. Donc tous les sujets sont d'actualité, car de nos délibes dépendra en quelque sorte la future délib passage à ce nouveau type de collecte. Voilà, donc je passe la parole à Pascal Protaneau. Alors. Bien, merci. Bonsoir à tous. En ce moment, ce qu'on fait chez vous ce soir, c'est pas exceptionnel, puisqu'il y a 16 communautés de communes qui sont de notre compétence au niveau de la collecte des déchets, et on a fait déjà les 15 autres et on termine ce soir avec vous parce que certains conseils communautaires ont voulu qu'on vienne expliquer un petit peu ce qui se passe avant de voter les délibes. Comme l'a dit Dominique, il y a deux délibes différentes, il y a une délibe sur les statuts et une délibération sur l'ARI. On avait prévu un petit document, mais je pense qu'on ne va pas vous le projeter. On va refaire une petite synthèse de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé, et là où on va arriver au 1er janvier de l'année prochaine, pour que les choses soient bien claires. La délibération sur les statuts, bon, celle-là, elle ne change pas grand-chose, mais elle est quand même importante. Sur les statuts, on va parler de la gouvernance. Vous m'entendez mieux comme ça? Ouais. Parce que si je vous saoule déjà au bout de 3 minutes, c'est pas bon. Hein.
Donc là, c'est bon? Je peux le tenir loin? Oui. Donc la délibération sur les statuts, elle n'est pas pour tout de suite, parce qu'une fois qu'on a délibéré, on va changer la gouvernance, mais la gouvernance changera que sur le prochain mandat. Mais je veux que sur les statuts du SMD3, la gouvernance soit plus proche des communautés de communes. Parce que vous savez tous comment ça fonctionne actuellement. En début de mandat, on désigne des délégués dans toutes les communes. Et les délégués lèvent la main celui qui veut aller aux déchets, lèvent la main celui qui veut aller à l'eau, lèvent la main celui qui veut aller au SDE, etc. Et des fois, il y a des nouveaux élus qui ne savent pas tout à fait où ils vont. Au début, ils viennent aux réunions. Au bout d'un moment, ils n'y viennent plus. Ça ne les intéresse pas. Ils ne font pas la relation entre eux, le SMD3 et leur maire, et encore moins avec la communauté de communes. Donc, il y en a qui le font très bien, mais il y en a qui ne le font pas jusqu'au bout, ce qui fait qu'après, on arrive à des moments où la commune n'est pas au courant de ce qui se passe chez elle au niveau de la collecte des déchets. Donc, moi, je voudrais qu'on travaille davantage avec les communautés de communes et qu'on s'adresse à toutes les communes, par exemple, comme ce soir. Là, toutes les communes entendent, et on est sûr qu'en travaillant avec les communautés de communes qui, elles, ont la compétence de la collecte des déchets, c'est eux qui vont après retransmettre les informations aux communes ou qui vont recevoir les informations en direct. Les communes, quand on s'adresse à vous ce soir, on est sûr que tout le monde va entendre notre message. Donc ça, c'est en ce qui concerne les changements de statut. Pour vous, ça ne va pas changer grand-chose. D'ailleurs, ça ne change pas grand-chose pour tout le monde, mais on a un petit peu rectifié le nombre en fonction du nombre d'habitants, parce qu'il y a des endroits où les habitants, il y a eu plus d'habitants, d'autres où il y a eu moins d'habitants, et on a rééquilibré le nombre de délégués par rapport au nombre d'habitants. Ça, c'est pour les changements de statut. Ce qui est un peu plus important ce soir, c'est la délibération sur l'ARI. Vous savez qu'on devait passer à l'ARI au 1er janvier 2021. À cause des problèmes sanitaires, les travaux ont pris du retard. En 2021, on n'était pas prêt. Et je pense que ce n'était pas que à cause des problèmes sanitaires. On n'était pas encore opérationnel. Il y avait quelques soucis de fonctionnement chez nous. Et on a retardé d'un an. En 2022, on a encore retardé parce que la situation avait très peu évolué. On a toujours été contraint par des problèmes de livraison, des problèmes de matériel. On a été contraint par pas mal de choses. Par contre, au 1er janvier 2023, là, on ne pourra plus reculer. On va passer à la redevance incitative pour l'ensemble des secteurs qui sont sous la compétence du SMD3. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que le directeur vous fasse une petite présentation. Et à la fin de cette présentation, on répondra aux questions que vous vous posez sûrement. Bonsoir. Donc, on va essayer de détailler la raison et le fonctionnement de la délibération sur la partie fiscale. Sylvain Marquis, le directeur, donc tout le monde connaît. Oui, j'en connais beaucoup, oui. Et Arnaud Jacquet, qui est le responsable de l'ancienne antenne de Dussac, aujourd'hui, gère notre territoire concernant la pollution. Donc, sur cette délibération relative à la fiscalité et qui a pour objectif de rapporter les antérieurs en matière de délibération de la communauté de communes, peut-être resituer un peu la façon dont va fonctionner, avant d'expliquer la délibération, resituer la façon dont va fonctionner la redevance incitative. Donc, aujourd'hui, vous êtes financé à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est un impôt. Demain, la redevance incitative va fonctionner de manière un peu différente, puisque pour chaque utilisateur, on va préparer une facture qui va être adressée à chaque foyer ou à chaque entreprise en fonction de la quantité de déchets produits. Bon. Cette facturation, il y aura des délibérations qui interviendront pour préciser le niveau des tarifs, mais enfin, on a déjà largement communiqué sur les niveaux moyens de tarifs, donc chacun peut d'ores et déjà se repérer par rapport à ce qu'il paye aujourd'hui en taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On a un fonctionnement financier qui est un peu complexe, puisque donc c'est le SMD3 qui va préparer les factures et les adresser aux administrés ou aux entreprises, mais il est nécessaire, pour des raisons de dotation de l'État,
de faire transiter ces fonds par les comptes des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Bon, dans votre cas, la communauté de communes. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on fait passer cet argent par les comptes de la communauté de communes, il rentre en ligne de compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, qui est un coefficient qui permet de déterminer le montant de dotation qui vous est versé par l'État, et notamment les dotations globales de fonctionnement, mais aussi le fonds de péréquation des ressources intercommunales et d'autres fonds. Bon. Donc si le SMD3 émet les factures et encaisse directement l'argent auprès des administrés, vous allez perdre des dotations au niveau de la communauté de communes et vous allez aussi en perdre au niveau des communes. Donc évidemment, il ne faut pas arriver dans cette situation-là parce que les pertes peuvent être relativement conséquentes. Donc il faut continuer à transiter par les comptes des communautés de communes. On a la possibilité juridique de le faire puisque dans le Code général des impôts, il y a un article qui prévoit la perception des recettes tirées de la fiscalité des déchets par les communautés de communes en lieu et place du syndicat qui exerce la compétence de la collecte. C'est le même article que celui qui est utilisé aujourd'hui pour que les communautés de communes perçoivent la TOM en lieu et place du syndicat, exactement avec le même mécanisme. Sauf que pour la redevance incitative, il y a un travail administratif un peu plus conséquent, puisque il va falloir faire donc des factures, intégrer ces factures dans la comptabilité des communautés de communes, et ensuite gérer les aménagements, déménagements, modifications de situation en cours d'année, qui vont potentiellement donner lieu à des annulatifs partiels ou totaux, et qui vont du coup devoir être corrigés dans la comptabilité des communautés de communes pour que les comptes soient exacts. Et ensuite, cet argent qui est perçu par la communauté de communes est reversé à l'euro l'euro au syndicat qui assure la collecte, en l'occurrence le SMD3 pour ce qui nous concerne ce soir. Bon. Donc vous voyez que ce mécanisme, il est un peu administrativement difficile à mettre en place. Il l'est aussi d'ailleurs dans la taxe, mais un petit peu moins. Mais il est absolument nécessaire pour que vous continuiez à bénéficier de ces dotations. Bon. Pour que les choses soient vraiment carrées sur le plan juridique, il faut savoir qui a institué la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères pour pouvoir savoir qui va instituer la redevance incitative. Bon. Sur votre secteur, la situation est là aussi un peu compliquée puisque à l'origine, vous étiez en communauté de communes et vous avez décidé d'un transfert de compétences collecte au SMD3. Et au moment où vous avez décidé de ce transfert de compétences, le SMD3 a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur votre territoire. Bon. Sauf que par la suite, il y a eu à un moment l'idée que les collectivités pourraient passer à la redevance incitative, mais pas toutes en même temps. Et la communauté de communes du Terrassonnet devait passer dans les dernières à la redevance incitative. On a eu des échanges nombreux avec la préfecture et avec nos conseils juridiques. Et la conclusion qu'on en a tirée avec les services aussi de la direction des finances publiques, c'est qu'on n'était pas certain de la validité juridique de ce dispositif. Et il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet qui nous permette de savoir dans quel sens un juge serait amené à trancher l'affaire. Sauf que, entre-temps, pour permettre ce mécanisme, le SMD3 avait désinstitué partiellement la taxe sur votre territoire et c'est la communauté de communes qui l'avait réinstituée. Or, a posteriori, et là aussi après analyse par la préfecture et par les services de nos avocats, ça n'était pas possible. C'est-à-dire que le SMD3 ne peut pas désinstituer partiellement la taxe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu bancale sur votre communauté de communes, où la taxe a été instituée par la communauté de communes, mais en vertu d'une délibération qui a été prise de façon illicite. Bon. Ce qui veut dire que si un jour il y a un contentieux sur la taxe, il y a un risque d'annulation qui n'est pas totalement à exclure. Bon. On a échangé avec la direction des finances publiques pour voir comment on pouvait sortir de cette affaire-là, parce que c'est compliqué sur votre communauté de communes, mais ça l'était aussi sur d'autres communautés de communes. Et la solution la plus rationnelle à laquelle on est parvenu, c'est de dire qu'on allait faire prendre
une délibération à toutes les communautés de communes et au SMD3 pour dire on annule tout ce qui a été délibéré antérieurement à compter du 1er janvier 2023, donc on rapporte toutes les délibérations, comme ça on repart de zéro, et le SMD3 réinstitue proprement, cette fois-ci, la redevance incitative à compter du 1er janvier 2023, et encore une fois, sans la possibilité de le faire de façon différenciée suivant les territoires. C'est-à-dire qu'il faut passer tout le monde ou personne. Bon. Donc on a fait le tour, comme le disait le président Protano tout à l'heure, on a fait le tour des 16 communautés de communes qui sont dans le ressort du SMD3 pour la partie collecte. Il y en a déjà 15 qui ont délibéré sur pour apporter ces délibérations antérieures. Il reste vous et le SMD3 qui délibérera en dernier, donc c'est prévu mardi prochain, pour rapporter les délibérations antérieures et instituer la redevance incitative. On délibère favorablement à ces deux questions. C'est ça, c'est ça. En sachant qu'il faut absolument, et c'est la raison pour laquelle on vous a un peu bousculé sur le calendrier, il faut absolument que toutes ces délibérations, et notamment celle du SMD3 qui est la dernière, soient prises avant le 1er juillet. Voilà. Donc nous, on a fixé la date au 14 juin, parce qu'on ne voulait pas avoir de problème de quorum, ou si on en a un, on voulait pouvoir avoir le temps de reconvoquer. Et donc il fallait absolument que vous ayez délibéré avant nous, pour qu'on puisse délibérer proprement sur ce passage à la redevance incitative. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, mais les chevaux est un peu inextricable, et donc il faut rentrer un peu dans les détails pour l'expliquer correctement. Voilà, maintenant, si vous avez des questions. Et là, on m'entend ? Oui. Moi, j'avais un certain nombre de choses à dire. Dominique, tu sais que je suis contre la redevance incitative. Et plus fort ? Là, comme ça ? Donc, tu sais que je suis contre et que je le suis toujours pour les raisons que je vais redonner, puisque je pense que la redevance incitative, d'abord, telle qu'elle est, et en milieu rural, je pense que ce n'est pas une très bonne solution. Ensuite, on est une époque... On est en train de supprimer des redevances et là, on en crée une. Ça, c'est dit. Cela étant, le SMD3, je trouve que là, moi, j'ai un peu l'impression qu'on assiste au casse du siècle sans rien dire. On n'a aucune vision financière, aucune. Vous avez dit que vous en aviez beaucoup parlé. Je suis désolée, la première fois où moi, j'ai vu quelque chose, c'est quand j'ai ouvert cette enveloppe qui, en plus, ne m'était pas destinée. Parce que vous avez un service un peu étonnant aussi, c'est que vous envoyez des courriers à des communes qui ne sont pas destinataires. Donc, ça fiche le BINS à l'intérieur de la commune, et c'est à nous d'essayer de donner des explications qu'on n'a pas. Quand on appelle le SMD3, on n'a personne pour nous répondre. Et je voulais aussi demander une chose, parce que il y a quelque temps, nous avions tous reçu un courrier pour nous informer qu'il y avait un certain monsieur... d'ailleurs je ne sais plus son nom, qui était chargé des relations avec les élus. Alors je ne sais pas si ce poste existe toujours, mais en tout cas son silence devient assourdissant, parce que franchement, on n'a rien. Ensuite, sur le côté financier, moi je voudrais vraiment que vous nous disiez des choses, parce que moi j'ai entendu dire que... pour ne pas vous citer, Monsieur Marty, vous aviez présidé un syndicat il y a quelque temps en Nouvelle-Aquitaine, et la taxe incitative pendant la période où vous avez été là a augmenté de 64%, alors que à ce moment-là, l'inflation était peut-être environ 5%. Donc, je me fais du souci et j'aimerais savoir vraiment. Ce qui va devenir, parce qu'on ne peut pas donner un blanc-seing comme ça, sans rien savoir financièrement. Alors moi, je voulais aussi demander au président Bousquet, si par hasard... Est-ce que je peux répondre en mesure, sinon je ne vais plus me rappeler de ce que vous avez posé comme question. Allez-y. Alors, d'abord, pour la dernière mention de votre part,
Sylvain Marty n'est pas là en tant que président d'un syndicat de Gironde, mais il est là en tant que directeur du syndicat SMD3. Oui. Et par rapport à ce que, quand on donne une information, il faut donner toutes les informations, ou alors il faut être sûr d'avoir les bonnes. Parce que M. Marty n'a jamais instauré la redevance incitative qui a dû augmenter après. C'est ses prédécesseurs qui l'ont fait. Et lui, après, il a géré une situation qui avait été mise en place par ses prédécesseurs. Et donc, on ne peut pas l'accuser d'avoir mal jugé la redevance incitative, mais il sera mieux placé que moi pour y répondre. Quant à l'installation de la redevance incitative sur le département, on arrive à un point où on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix, pourquoi ? Parce que on est jusqu'à maintenant en TOM, et la TOM ne nous fait pas réduire les déchets que l'on envoie au centre d'enfouissement. Et vous savez tous qu'on est taxé avec la TGAP sur les déchets qu'on enfouit. La seule façon de réduire les déchets, c'est de passer à la redevance incitative pour que les personnes consomment le moins de déchets possible et qu'on enfouisse le moins de déchets possible. Donc, les gens les mettront ailleurs. Mais non, ils ne mettront pas ailleurs parce qu'on est allé, on s'est pas levé un matin, mes prédécesseurs, parce que je vous signale que le fait de passer en redevance incitative, ça a été voté au SMD3 il y a quelques années, bien avant mon arrivée. C'était mes prédécesseurs qui l'ont voté avec tous les délégués des secteurs étaient d'accord aussi, parce que ça a été voté à l'unanimité. Et c'est là que tout à l'heure je vous disais qu'il faut changer la gouvernance, parce que vous me dites tout à l'heure que vous êtes au courant de rien. Vous êtes au courant de rien pourquoi ? Parce que vos délégués en assemblée de secteur ne vous remontent pas les informations. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Parce qu'il y a des réunions, il y a deux réunions par an sur les secteurs, et les délégués sont au courant, mais seulement s'ils ne remontent pas les informations au maire. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple de ma commune. Moi, quand j'envoie quelqu'un qui me représente sur le SDE ou ailleurs, quand je fais un conseil municipal, ce délégué, à la fin du conseil municipal, il prend la parole et il informe le conseil municipal de ce qu'il a entendu dans la commission où il représentait la commune. Mais il y a combien de communes qui le font ça ? Il y en a très peu. Et donc le maire, des fois, effectivement, n'est pas au courant. Et donc, s'il n'est pas au courant, il découvre comme vous. Non, et c'est un peu facile. Bon, enfin, moi, je voudrais surtout que vous me parliez finances. Bon, attendez, moi, je vais dire deux mots là-dessus aussi, puisque avec Pierrot Collin, c'est nous les représentants, jusqu'à présent, des communes du SMD3. Alors, aujourd'hui, tu as dit dans les statuts que les choses ne changeaient pas grand-chose. L'organisation des commissions ou des assemblées sectorielles est telle aujourd'hui que sur le coin d'Hautefort, et on va rester large, hein, l'ancien SMECTOC de Thiviers-Dussac est rentré au SMD3 et on se retrouve tous ensemble dans la même assemblée sectorielle. Donc sur les statuts, avant, nous, on avait un représentant qui était le représentant, c'était Lionel Armagagnan, concernant la partie Hautefort de la communauté de communes qui a remplacé Laurent Monteil, qui malheureusement nous a quittés. Et sur la partie communauté de communes de tenons anciennes, communes indépendantes, qui ont adhéré, comme l'a dit Sylvain Marty, un jour au SMD3 et vous ont transféré la compétence, on avait un autre représentant. Donc on avait deux représentants au comité syndical. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un, et on avait un siège au bureau que l'on n'a plus. Ça, c'est simplement une petite nuance qui fait que les statuts, quand même, changent un petit peu les choses. Deuxièmement, ici, il y a quand même eu moult débats, mais c'est vrai qu'il y a plein de changements en même temps. Il y a des changements sur le type de ramassage. Nous, sur le secteur de Tenon, on a eu ces discussions 50 fois ici.
Je pense qu'avec Pierrot Collin, on ne vous a jamais rien caché des problèmes, des débats. Et si je vous les cachais, comme je vous connais, vous ne prendriez pas beaucoup de gants pour me dire ce qui ne va pas. Et Dominique, tu ne t'en gênes pas comme beaucoup d'autres. Mais donc, je ne t'ai pas mis en cause, Dominique. Non, non, mais attends, on a répondu qu'il y avait des délégués et que si les délégués ne vous informaient pas, c'était la faute aux délégués. Non, c'est moi le délégué. Donc, quelque part, il est clair que je me sens quelque peu amené à défendre la position et de Pierrot Collin et de moi à ce niveau-là et de Lionel, puisque on était trois à être représentés au niveau de ces deux secteurs qui aujourd'hui ont été réunis en un seul. Alors, on était jusqu'à présent les anciennes, parce que c'est toute une histoire qui est compliqué. Je préfère le redire parce que Pascal ne connaît peut-être pas totalement toute notre histoire et notre particularité. Hein? Au départ, les communes du secteur de Thelon étaient des communes indépendantes. Ces communes indépendantes étaient chez CITA. Parce qu'à l'époque, CITA nous présentait des conditions financières très intéressantes et que le travail convenait. Alors après, sur les camions bicompartimentés, on peut peut-être trouver des choses qui n'allaient pas, mais on ne payait pas très cher. Et deuxièmement, la population était contente. Alors les élus, hein, souvent, c'est déjà important. Donc lorsque CITA, son marché est arrivé à terme, on a fait un appel d'offres. Sur l'appel d'offres, c'est vous qui avez donc répondu à l'appel d'offres, et il n'y avait pas grand monde en plus, donc on a accepté votre appel d'offres, et avec un changement déjà important à l'époque, hein, puisque on est passé à du ramassage avec des camions automatisés, et on a eu tout le problème de cette collecte à changer, et ça, ça a été pendant un an, et après on est adhéré au SMD3, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous a transmis la compétence. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc sur le secteur de Thelon, où on était en redevance, donc contrairement à toi, Dominique, je ne suis pas un opposé à la redevance. Hein. La première des choses que j'ai fait il y a 40 ans, quand je suis arrivé maire de Thelon, Jean-Luc n'était pas encore, la première année, tu n'étais pas encore avec nous. Mais il y avait Nicole qui était avec nous. Avec mon premier adjoint de l'époque, une des premières choses qu'on a fait, c'est de transformer la redevance en taxe. La taxe en redevance, puisque j'ai dit. Et on est resté en redevance jusqu'à que dans la communauté de communes, un jour on nous explique que sur le même secteur, on était obligé de tous passer à redevance. Donc le secteur de Thelon, les différentes communes de Thelon, on est passé en redevance et on s'est fait plus que maltraité par tous ceux qui avaient quelques moyens et des grosses maisons, puisque la taxe a doublé, triplé. Bon, à Fosmagne en particulier, ça a été très très chaud avec X pétitions, et il y a des gens qui ne me parlent plus depuis, hein, ça a été très très chaud. Donc on est passé en redevance, de redevance en taxe. Et aujourd'hui, on va repasser en redevance. Donc on a fait l'exploit sur ce secteur en deux transformations de se mettre demain 100% des gens à dos. La première fois, c'était les gens aisés qui avaient les grosses maisons. Hein, on avait fait l'analyse. En changeant, il y avait la moitié qui n'avait pas changé. Il y avait un quart qui avait baissé et un quart qui avait augmenté. Et le quart qui avait augmenté avait assez mis la pression partout, il y avait des pétitions, il y avait des groupements, ils se réunissaient, mon cher Didier, chez toi, là-haut, à Aja, d'ailleurs. C'était une association Aja-Fosmagne qui était très forte contre nous à l'époque. On a fait le gros dos et on a essayé d'expliquer. Et maintenant, on va repasser de taxes en redevance. Donc les plus aisés ne vont pas te dire merci que ça baisse, mais tous les petits et les moyens, ceux-là vont augmenter. Donc on aura fait l'exploit de se mettre 100% des gens à dos sur ce secteur avec deux changements. Donc on peut comprendre que ça nous complique un petit peu la tâche, même si aujourd'hui, moi aussi j'ai évolué, je pense que la redevance incitative aujourd'hui est quelque chose qui, pour un certain nombre de raisons, je connais bien les difficultés de la mise en application, et j'en donne une partie, est une tendance plutôt générale et qui risque de se généraliser
voilà, avec un certain nombre de gens qui réclament la redevance. Bon. Donc c'est un peu compliqué, mais il te dit que voilà pourquoi le secteur. Donc à condition, alors, et on a changé en plus tout le système de collecte, de porte à porte généralisé. On a fait un certain nombre de communes qui sont restées en porte à porte, d'autres sont passées totalement en apport volontaire avec des bacs semi-enterrés, et d'autres que je connais le mieux, c'est Thonon, on était mixte, on avait en ville, si tant est que Thonon soit une ville, on avait des conteneurs semi-enterrés, on avait des bacs de rassemblement à la campagne, et même dans certaines maisons, dans certaines rues qui étaient un peu étroites pour différentes raisons, et où il y avait surtout pas mal de personnes âgées, on avait continué à garder du porte-à-porte. Donc on avait un truc mixte, donc on n'a pas arrêté de changer. Donc inutile de vous dire qu'il y a eu, Sylvain et Pascal, X discussions ici sur tout ça, où chaque maire a défendu son intérêt. Donc ça, c'était pour répondre que les statuts nous sous-représentent un peu par rapport à ce qui était avant. Ça, je suis obligé de dire, c'est pas une critique, c'est une réalité. Ah, pas en voix, d'accord, mais pas en voix. Mais on préfère être des fois deux avec une seule voix qu'un avec deux voix. C'est... Ben oui, mais je te dis qu'on a diminué notre représentation sur notre secteur. Et Jean Bousquet, le maire de Terrasson, et là, et c'est pas le seul, puisque c'est un des vice-présidents de Brive, c'est le Sirtom, le Sirtom de Brive, et les grosses communes, Terrasson, Lardin, jusqu'à Bachellerie, plus toute la partie sud, sud-est, et sur Brive, avec une philosophie complètement différente, c'est du porte-à-porte, c'est de la taxe incitative, donc tu n'empêcheras pas les gens de comparer Borgard et Terrasson. Donc tout ça fait qu'on a notre propre particularité par notre histoire. C'est le préfet qui m'a dit tout ça, j'y peux rien, c'est le fait de l'histoire, et c'est vrai. Et deuxièmement, on a vraiment un truc très particulier avec deux syndicats et deux façons de collecter, deux façons de faire les tarifs. Donc tout ça est compliqué pour nous. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais redire un peu. Ce que je voulais te demander, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas demander à un bureau d'études de regarder pour voir quelle est la meilleure solution, si c'est Brive ou si c'est le SMD3, pour voir s'il y a une soulte ou quelque chose. Ça, vous pouvez le faire, mais c'est un problème qui vous concerne. Ça ne concerne pas le SMD3. C'est une question que je pose à Denis. Je veux préciser juste une petite chose, c'est qu'il y aura un délégué de moins, mais le délégué aura deux voix. Alors que jusqu'à maintenant, le délégué avait une voix, donc ça ne change pas grand-chose. Mais si on avait mis des délégués à une voix, il aurait fallu faire une assemblée avec 150 personnes. Alors qu'avec deux voix, on a la moitié moins. Donc c'est plus facile de travailler quand on est 70 que quand on est 150. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ce système-là. Et je voulais juste vous dire qu'avec les assemblées de secteurs, jusqu'à maintenant, et encore jusqu'à la fin du mandat, il y a 10 secteurs au SMD3, 10 secteurs, donc 10 assemblées de secteurs avec presque 100 personnes par assemblée de secteur. Vous voyez un peu comme c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on est revenu sur ces statuts. Bon, j'en ai bien conscience, mais bon, il faut qu'on explique un peu. Parce que, il y a encore une heure ou deux, une personne me disait, mais vous arrêtez pas de vous coucher, il y a encore 4 secteurs qui ont dit non. Et quand moi j'explique qu'on n'a pas le choix, et on va y arriver, et que même si on votait contre, ça poserait des problèmes au SMD3, mais ça ne simplifierait rien pour nous. Ce que tu demandes, Dominique, on n'a pas la possibilité. Aujourd'hui, on a donné notre compétence. Donc, que tu votes aujourd'hui pour ou contre, la redevance incitative sera appliquée de la même façon. Donc, moi, je vous dis les choses comme elles sont. Même quand je ne suis pas content, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Par contre, que je sois un béni oui-oui, ou en général, vous savez bien que ce n'est pas tout à fait le cas et que je ne prends pas beaucoup de gants pour dire ce que je pense. Et je ne me couche pas facilement devant personne. Par contre, la guerre pour la guerre à l'intérieur du SMD3, c'est aussi difficile. Ce qui veut dire que depuis 3 ans, où j'ai été relativement présent, malgré mes différentes casquettes, et ce n'était pas sous ta présidence,
J'ai toujours dit, et les rapports doivent le dire, mon côté réservé sur le changement de passer à la redevance incitative. Je l'ai toujours dit. J'ai même fait voter une délibération où on devait passer les derniers, vu notre spécificité, hein, la nôtre, que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc j'ai toujours défendu. Mais quand tu as tout le monde qui ne pense pas comme toi dans une assemblée et un bureau d'études qui te démontre pour A plus B que tu es un imbécile, que tu ne comprends rien et qu'ils ont raison, c'est relativement difficile de ne pas passer pour l'emmerdeur général qui râle toujours. Ce qui fait que tout en donnant mes arguments, j'ai voté, c'est vrai, chaque fois les dossiers. Parce que de ne pas les voter, ça faisait que singulariser encore notre SMD3. Je préférais donner les raisons qui faisaient que j'étais réservé ou pas tout à fait d'accord, mais j'ai quand même voté. Donc voilà quelques explications, puisque avec Pierrot, c'est nous qui y sommes. Voilà, bon, en fait, ça ne répond pas à mes questions. En fait, ma question, c'est la seule question, elle est financière. Moi, je veux qu'on me dise, mais clairement, combien ça va nous coûter ? Combien ça va coûter à chaque citoyen de la commune ? C'est ça l'important. On se fait engueuler déjà depuis des années parce que ça augmente trop fort. Là maintenant, les gens ils commencent à venir nous voir en disant qu'est-ce que c'est que ce truc et combien ça va nous coûter. Moi, je veux pouvoir leur répondre. C'est tout. Alors, pour savoir combien ça va coûter, y a un bureau d'études qui travaille sur le coup parce que... Mais non, mais pas la charrue avant les bœufs. Si vous êtes capable de me dire à combien coûtera le gasoil à la fin de l'année, si vous êtes capable de me dire combien coûtera l'inox à la fin de l'année, si vous êtes capable de me dire combien vont me coûter les camions à la fin de l'année, on est dans une époque où il y a un changement énorme. Le prix du gasoil d'il y a un an et le prix du gasoil de maintenant, ça a évolué. Donc il faut qu'on évolue avec. On avait fait une étude et on avait annoncé des chiffres. On avait fait une étude, mais on avait commencé cette étude en 2018. On avait annoncé des chiffres et on avait annoncé que l'abonnement coûterait entre 80 et 100 euros pour des personnes qui sont en 1 ou 2. Les gens ont retenu 80 euros, parce que quand on dit que ça va coûter entre 80 et 100, les gens ils retiennent 80. Ils n'ont pas retenu 100. Et aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a eu depuis 2018, on doit recommencer cette étude parce qu'il serait inadmissible qu'on mette en place la redevance incitative au 1er janvier 2023 et qu'on se soit trompé sur ce que ça va coûter et qu'un an après, on soit obligé d'augmenter le prix de la redevance pour le réactualiser. Il faut savoir que depuis 2018, qu'on a fait cette étude, vous êtes tous maires, vous avez tous voté des budgets, vous avez vu que chaque année, on a augmenté la TOM. Et chaque année, toutes les communautés de communes me disent « ça ne fait pas plaisir d'augmenter la TOM ». Si on ne passe pas en redevance incitative, on va encore augmenter la TOM. Et c'est plus on va attendre et plus on va voir que la redevance incitative coûte moins cher que la TOM. Parce qu'à force qu'elle augmente, parce que la TGAP, elle augmente. En plus... Là, maintenant, on est en train de travailler sur une tarification sociale pour que, justement, certaines catégories de personnes qui vont être les plus impactées par l'augmentation ou des personnes qui vont avoir des consommations plus importantes suite à des problèmes médicaux, essentiellement les personnes incontinentes, ces personnes-là, on veut les prendre en tarification sociale. Pour qu'on les prenne en tarification sociale, comment on fait une tarification sociale avec de la solidarité? Qui va payer pour les personnes qui ne peuvent pas payer? Ben, c'est ceux qui peuvent payer. Donc, on est en train de revoir la tarification. La tarification, on l'aura, j'espère, au plus juste, à condition qu'il n'y ait pas encore des variations pas possibles du gasoil et de plein de choses, on l'aura au plus juste au mois de septembre. Et là, on sera fixé. Quand je dis qu'on l'aura au plus juste, ça ne va pas doubler par rapport à ce qu'on avait annoncé. Ça ne va pas être 200, 300 euros. Ça va être, au lieu d'avoir une fourchette entre 80 et 100 euros, on peut dire que la fourchette, elle sera entre 100 et 125 euros.
elle sera à peu près là, la fourchette. Ouais. Oui, on peut le savoir, mais on la met en place en 2023. Et ce qu'on est en train de calculer, c'est le coût du service au 1er janvier 2023. On est en train de le calculer avec les données qu'on a aujourd'hui. Non, mais de toute façon, ces données sur les tarifs, on peut dire qu'on les a pas. Moi, je me souviens d'être venu les présenter déjà deux fois, et je me souviens que vous étiez là quand j'étais venu les présenter avec François Roussel, en 2018 et en 2020. Et on vous avait annoncé, effectivement, les grilles tarifaires qui viennent d'être rappelées par Pascal Protaneau, avec un abonnement entre 80 et 100 euros, et un coût à l'ouverture qui était autour de 2,70 € pour une trappe de 60 litres pour ceux qui étaient en point d'apport volontaire. Aujourd'hui, on a réactualisé ces tarifs parce que, effectivement, ça, c'était en 2018. Et donc, on n'a pas changé fondamentalement les choses puisqu'on a impacté l'inflation qu'il y a eu. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on est sur un abonnement qui sera autour de 100 euros. Alors, effectivement, est-ce que ça sera 100, 105 ou 110 ? Ça, on ne peut pas vous le dire encore précisément parce qu'on a besoin d'affiner encore un peu les statistiques sur les utilisations des bornes. Mais on sait qu'on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Et qu'on est toujours autour de 3 euros pour l'ouverture des trappes. Voilà. Et pour le porte-à-porte, on sait que le coût de l'abonnement est à peu près deux fois celui qu'il est pour les points d'apport volontaire. Donc on est autour de 200 euros pour ceux qui sont en porte-à-porte pour l'abonnement, quelle que soit la taille du foyer. Voilà, ces tendances tarifaires, il n'y a rien de nouveau. On les a annoncées depuis 2018, on a communiqué dessus. C'est ce qui a été envoyé dans toutes les boîtes aux lettres des administrés qui sont enregistrés sur le fichier. Et tout le monde a pu comparer ça avec le montant qu'il paie aujourd'hui en taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc simplement une chose, je ne devrais pas intervenir parce qu'on n'est pas concerné. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ceux qui ont été enquêtés, c'est-à-dire... En fait, on a déployé le dispositif de redevance incitative par zone. Comme vous le savez, on avait commencé par le secteur de Belvès et Montpont, et puis ensuite on a déployé le secteur du Grand Périgueux, puis le secteur de Thiviers, celui de Ribérac, et là maintenant on est en train de terminer le secteur de Thiviers pour le déploiement des bornes, et au fur et à mesure on installe les contrôles d'accès. On fait l'enquête au moment où on va s'apprêter à installer les contrôles d'accès. Donc l'enquête, elle vise à recenser les administrés, enregistrer leurs coordonnées, leur délivrer la carte d'accès au point d'apport volontaire pour ceux qui sont en point d'apport volontaire, ou enregistrer le numéro de puce pour ceux qui sont en bac individuel. Donc à ce moment-là, les administrés reçoivent le document que Madame Lamaire tenait dans ses mains, et qui explique, si vous voulez, tout le fonctionnement de la redevance incitative, les tarifs, etc. Sur votre secteur, vous n'êtes pas encore enquêté puisque le mode de collecte définitif n'est pas encore arrêté, hein, c'est ce que disait Dominique Bousquet tout à l'heure en introduction. Vous avez encore un choix pour un certain nombre d'entre vous à faire entre le porte-à-porte ou le point d'apport volontaire. Il n'est pas encore totalement fixé, me semble-t-il, sur la totalité des communes. Donc voilà, au terme de ce processus-là, mais qui ne va plus être très long parce qu'il faut être prêt au 1er janvier, on va démarrer très vite l'enquête sur votre secteur. Alors, ce n'est pas un gros secteur en population, donc on n'en a pas pour très longtemps pour faire l'enquête, mais il va falloir le démarrer rapidement. J'ai le micro, j'en profite, je vous passe après. Excusez-moi. La deuxième question que j'ai, c'est quel est le taux de recouvrement estimé de la redevance ? Parce que la taxe, le taux de recouvrement, il est de 100%. Parce que ceux qui ne paient pas, c'est en fait l'État qui compense la taxe, me semble-t-il. Avec la redevance, quel est le taux d'impayé estimatif ? Parce que je vais vous dire un petit peu, bon... J'ai eu connaissance effectivement de la grille tarifaire. Bon, pour une famille de 4 personnes avec des enfants en bas âge, bon, il en coûterait pour 26 levées quand même, je reprends mes lunettes, 356 euros. 4 personnes en porte-à-porte, c'est 356 euros par an pour 26 levées, si je ne me trompe pas. Bon, je pense à des familles qui sont dans des logements sociaux. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils payent ce montant-là, loin s'en faut avec la taxe.
Et je pense qu'ils payent les ordures ménagères par 12e avec, en charge locative avec le loyer, ce qui paraît beaucoup plus digeste pour leur budget. À partir du moment où on va instaurer la redevance et qu'ils vont payer pour du porte-à-porte, si on reste en porte-à-porte, 356 euros à minima en une fois, s'ils ont été rigoureux, s'ils ont sorti leur poubelle que 26 fois, j'ai peur qu'il y ait des gens qui ne puissent pas régler ces factures-là, additionnées au reste. Voilà, c'est ma crainte. Je préférais vous la donner. Ensuite... Peut-être parce que sinon on va oublier les questions. Si vous permettez, on répond à celle-là peut-être. Je finis, parce que moi aussi j'ai peur d'oublier. Donc, les résidences secondaires, aujourd'hui, bon, les résidences secondaires, c'est la solidarité, parce que vous avez des gens qui ont des belles résidences secondaires, qui ont des bases assez élevées, qui payent assez cher de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, qui en mettent un mois par an, donc finalement, ça compense un peu le reste. Moi, je n'ai pas connaissance aujourd'hui de la redevance qui va être appliquée pour les résidences secondaires. Et puis ensuite, effectivement, pour les commerçants et artisans, effectivement, quelle sera la redevance? Moi, je ne la connais pas non plus, je ne sais pas ce qui sera mis en place. Voilà, donc c'est vrai qu'on se pose quand même un certain nombre de questions, même si j'ai participé quelquefois au débat au SMD3, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions-là. Voilà. Alors, bon, c'est pourtant des questions qu'on a largement débattues dans les réunions du bureau ou du comité syndical. Il y a plusieurs points sur lesquels vous avez émis des hypothèses qui ne sont pas la réalité de ce qui va se passer. Bon, déjà, pour répondre à la première question sur le taux de perception, sur le syndicat dont Mme Lamaire estimait que j'ai été un absolument mauvais gestionnaire, on arrivait à un taux de recouvrement à 3 ans, donc qui est le cycle normal de recouvrement de la redevance, qui était à 96,5%. Bon, ce qui veut dire qu'en gros, on avait 3,5 d'impayés, voilà, 3,5, 4, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Il faut se souvenir que sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, certes, l'État assume la prise en charge des impayés, mais il prélève pour ce faire 8% du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, avec la redevance incitative, l'État ne prélèvera plus ces 8%, et ces 8% serviront à gérer le fichier client et à prendre en compte les impayés. Voilà. Donc, si on reste sur une fiscalité constante, on a quand même 8% du produit qui peut servir à gérer ces problématiques-là, et c'est largement suffisant pour le faire. Sur le scénario que vous avez évoqué, là, avec le foyer de 4 personnes qui paie 356 euros par an, bon, d'abord, il ne va pas les payer en une fois, puisque avec la redevance incitative, vous aurez la possibilité de payer en 10 fois, comme vous l'avez avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui peut être appelée de façon mensualisée avec votre impôt de taxe foncière ou avec vos charges locatives. Donc déjà, ça ne sera pas une facture à payer par an, c'est une facture qui permettra d'être étalée sur un paiement fractionné jusqu'à 10 fois. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, 356 euros pour 4 personnes, ça fait en gros 90 euros par personne. Je vous signale qu'aujourd'hui, en taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe moyenne par habitant est de 125 euros. Bon. Donc on n'est pas sur un niveau de fiscalité qui est exceptionnel en étant à 90 euros par personne. Hein. On est en dessous de la moyenne nationale de montant et de la moyenne départementale de montant de taxe d'enlèvement des ordures ménagères payée par habitant, hein, très en dessous. Bon. Ça, c'est le deuxième point. Sur les résidences secondaires, c'est pareil, vous avez dit, mais tout ça c'est des clichés, malheureusement, vous avez dit, les résidences secondaires, elles paient beaucoup de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, et demain elles paieront pas ou peu de redevances incitatives. Bon, non, mais c'est pas vrai que les résidences secondaires paient beaucoup de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. On a fait des simulations sur le fichier dont on dispose, puisqu'on a le fichier sur tout le département des montants de taxes d'enlèvement des ordures ménagères payés sur les habitations. On n'a pas réussi à démontrer que les résidences secondaires allaient gagner en passant à la redevance incitative. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de résidences secondaires, ça dépend des communes, mais vous avez beaucoup de résidences secondaires qui paient des petits montants de taxes, parce que souvent, c'est des bâtis qui sont anciens, sur lesquels les bases de valeur locative n'ont pas été réévaluées correctement,
Et par exemple, les maisons neuves paient en général beaucoup plus que des résidences secondaires qui sont dans des bâtis anciens, à niveau de confort équivalent, parce que les bases de valeur locative sont au départ plus élevées. Bon. Sur le tarif qui va être appliqué en redevance incitative, le tarif sera celui des foyers de 1 à 2 personnes. Donc c'est le tarif d'abonnement qui est le même pour tout le monde. Et ensuite, ils auront droit au minimum d'ouverture. Si ils dépassent le minimum d'ouverture, ben, ils paieront en fonction du nombre d'ouvertures ou de levées de bac qu'ils auront réalisées. Voilà, tout simplement. Pour ce qui concerne les artisans, commerçants, etc., tous les artisans et commerçants sont enregistrés dans le fichier client comme les autres producteurs, comme les ménages. Les petits, le principe, mais ça c'est pareil, ça fait très longtemps que ça a été acté, hein, le principe c'est que les petits commerçants, les petits producteurs de déchets sont assimilés à des ménages, donc ils paient la même chose que les ménages, à une différence près, c'est qu'ils n'ont pas de forfait d'utilisation, c'est-à-dire qu'ils vont payer réellement en fonction de la quantité de déchets produits. Et pour les gros producteurs, on regarde ensuite au cas par cas, donc on a déjà, je crois, 300 gros producteurs qui sont enregistrés dans la base de données. On étudie avec eux la possibilité d'installer pour les plus gros d'entre eux des bornes privatives chez eux. Il y en a d'autres pour lesquelles on a d'autres solutions. En général, quand on va les voir, ils trouvent toujours que c'est trop cher. On leur dit qu'ils ont la possibilité aussi de faire appel à un prestataire privé s'ils le souhaitent. Et en général, quand ils ont vu le prestataire privé, ils trouvent nos tarifs beaucoup plus intéressants. Et donc, ils restent sur le service public parce que, évidemment, ça coûte moins cher de collecter un pro dans une tournée qui collecte aussi des particuliers et qui donc est optimisée, que d'avoir un privé qui vient spécifiquement collecter vos déchets quand vous êtes un peu loin d'un centre urbain. Voilà. Dans la suite, oui, je voudrais savoir qui va faire les recouvrements des impayés, si c'est la Comcom ou si c'est le SMD3. C'est vous, parce que la taxe est obligatoire, ça j'ai bien compris. La redevance est facultative dès l'instant où on ne sert pas du service. Alors non, c'est pas exactement ça. Voilà. Vous n'êtes pas loin, mais c'est pas exactement ça. On préfère. C'est-à-dire que la taxe, elle est due même si le logement est vacant. Bon, ça, c'est un impôt. Si vous n'avez pas de voiture, vous payez quand même des taxes pour utiliser les routes. C'est un impôt, donc vous le payez quoi qu'il arrive. Si, en redevance incitative, si le logement est vacant, vous ne payez pas la redevance incitative. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire « moi, j'utilise pas le service, je ne paie pas ». Ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut que vous fassiez la démonstration que vous éliminez vos déchets dans des conditions conformes au code de l'environnement. Donc, par exemple, un professionnel qui fait le choix de passer par un opérateur privé, du moment qu'il amène une attestation disant qu'il passe par un opérateur privé agréé, il peut être dégrévé totalement de redevances incitatives. Mais un particulier n'a quasiment pas la possibilité de le faire. Sur la question du recouvrement, dans tous les cas, c'est le Trésor public qui fait le recouvrement pour le compte de la collectivité. Par contre, la charge financière des impayés, elle a été intégrée dans les grilles de tarification incitative. Donc la communauté de communes ne prend pas en charge les impayés. Elle reversera au SMD3 les montants qu'elle aura encaissés auprès des particuliers et des entreprises. Alors non, c'est 4% sur les impôts locaux, sauf sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur lequel c'est toujours 8%. Par contre, quand vous êtes en taxe incitative, vous avez pendant 5 ans une exonération partielle de taux de recouvrement du Trésor qui passe de 8 à 4, mais au bout des 5 ans, il revient à 8%. Voilà. Pour vous, parce que vous êtes en taxe incitative. Mais sur la taxe, aujourd'hui, pour nous, c'est 8%. Non, pour nous, c'est 8%. Sur le territoire du SMD3, c'est 8%. Bien. Bien. Je suis Jean-Louis Pujol, le maire d'Hautefort, et je vous ai écrit dernièrement et je vous ai envoyé une pétition qui a été faite par les commerçants de notre commune, qui sont évidemment très mécontents de la façon dont la mise en place a été faite. Alors, je ne reviens pas sur les votes et tout ça, ces mises en place, on n'en parle plus. Nous avons, en tant que commune, toujours voté contre cette mise en place, mais nous subissons actuellement cette mise en place, donc. Et nous avons subi, M. Jacquet, qui est ici présent d'ailleurs, a fait pas. Pardon. Je me mets comme ça. D'accord. Donc, M. Jacquet a assisté avec moi à une réunion avec les commerçants qui sont mécontents. Alors. À la limite, ils sont peut-être pas contre cette mise en place
de taxes incitatives, il faut tout relativiser quand même, mais la façon dont le SMD3 a procédé. C'est-à-dire qu'en ce moment, on nous change... Pas le SMD3, le smectum de Thiviers. Ou le smectum de Thiviers. Non, mais c'est pas pareil, parce que le smectum de Thiviers nous a rejoint au 1er janvier. C'est ça. Ce que vous dites a été fait avant qu'il nous rejoigne. Maintenant, vous m'avez écrit, je vais y regarder de près, mais c'est pas le SMD3, ne confondez pas. Je vous parle de la situation actuelle, où on est en train de changer les couvercles de nos conteneurs. Oui, qui a été fait par Thiviers, et c'est la continuation. Oui, mais c'est pas le SMD3. Oui, d'accord. Enfin, là, vous jouez un peu sur les mots. Mais non, c'est comme vous n'assumez pas ce que fait votre commune voisine. Excusez-moi, si je peux m'exprimer. C'est comme M. Marty lorsqu'il dit que 356 euros, c'est moins cher quand on le paie 30 euros par mois. Enfin, là, c'est un peu... On joue sur les mots, là. Hein. Donc voilà. Donc, j'ai dû subir... les commerçants, M. Jacquet, que je remercie d'ailleurs, étaient présents. Ils sont devant la fête accomplie et ils n'ont pas de solution. Vous savez que Hautefort est une cité touristique qui est visitée par pas mal de personnes. Et nous avons des restaurants et des restaurateurs, de très bons restaurateurs qui ont beaucoup de monde et qui ont beaucoup de déchets. Et donc ils se sont retrouvés devant la fête accomplie, devant ces bornes dans lesquelles ils ne pouvaient plus déposer. Ils ont rappelé évidemment le maire parce que c'est toujours lui qui prend en premier. Et donc c'est pour ça que nous avons créé cette réunion et qui devait avoir comme interlocuteur M. Gatti, qui n'a pu se rendre disponible. Et nous avions décidé de faire une réunion mardi dernier, cette semaine, on est vendredi, mardi dernier, avec M. Gatti qui n'a pu être disponible encore. Et donc on va faire cette réunion le 22. Mais nos commerçants et surtout restaurateurs attendent surtout des réponses, des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas des paroles, des choses comme ça, ce sont des solutions. Et j'espère que M. Gatti viendra avec ça, parce que j'ai vraiment, je ne sais pas, M. Jacquet peut peut-être vous dire, il y a vraiment une colère très, très, très importante et je ne veux pas la subir. Je vous rappelle que notre commune a toujours voté contre cette mise en place de taxes incitatives. Mais donc ça pose un gros problème. L'autre problème, c'est lorsque les touristes vont se présenter, il y en a déjà quelques-uns, et tant mieux, lorsqu'ils vont se présenter, alors j'ai entendu dire qu'il fallait qu'ils aillent acheter une carte chez le buraliste. Je crois qu'on va pas en voir beaucoup qui vont aller acheter la carte chez le buraliste. Et ça, c'est autre chose. Je ne sais pas comment on va faire, là. Parce qu'on va se retrouver avec les conteneurs qui vont déborder de choses, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. On est une cité touristique, je vous rappelle, vous n'avez qu'à voir un petit peu l'image que ça va donner de notre cité. Ensuite, les touristes ne vont pas aller acheter ça, on va retrouver des sacs un peu partout, etc. Bon, voilà. Mais ça, il va falloir le gérer. Alors je sais que vous avez mis en place une espèce de police, je ne sais pas quoi, qui va voir autour des conteneurs ou un camion qui va se passer autour, mais ça ne sera pas, évidemment, imaginez-vous, suffisant, et donc on va subir encore ça. Mais je profite de cette question, de mon intervention, pour deux, trois autres questions qui me travaillent. Ce sont des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont posé ces questions-là, et je n'ai pas les réponses. Alors, il y en a une où vous avez à moitié répondu, c'est concernant les personnes âgées ou malades. J'ai été interpellé par une dame, sa maman, 97 ans, elle va tous les deux jours au conteneur pour vider ses déchets. Vous comprenez pourquoi, évidemment. Tous les deux jours, elle a calculé que ça lui faire 800 euros par an. Ou 780, un truc comme ça. On va pas pinailler. 800 euros par an, une personne de cet âge-là. Donc j'espère que vous allez apporter une solution. Vous en avez parlé légèrement, mais je regrette que ça n'arrive toujours qu'après coup, quand on a les problèmes. Ensuite, la deuxième profession que nous avons, ce sont les nounous, les personnes qui gardent des enfants. C'est le même problème, les couches, etc. Comment font-elles? Alors, on va me dire, les parents ont qu'à les ramener avec eux. Oui, d'accord, on fait toute la journée avec ça. Je vous laisse de quoi penser. Voilà, donc nous sommes interpellés en permanence par rapport à ça.
Vous parliez de, quelque chose, du tarif que vous vouliez faire. On a reçu ça, c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Ça correspond à quoi donc? Parce que si dessus vous mettez abonnement au service 100 €, forfait 26 ouvertures 78 €, 178 €, ça va être normalement envoyé dans tous les foyers. Et là, vous nous parlez de 100 à 125 €. Donc voilà, question. Et enfin, je suis maire de Hautefort, comme je vous l'ai dit, et je suis très inquiet. Je ne répondrai pas à la moitié parce que là, je ne me rappelle déjà plus. Hein. Mais moi, à mon âge, je me rappellerai plus. Non. Et je pense que M. Marty est assez jeune, il s'en rappellera mieux que moi. Mais ce que je voulais parler, c'est de notre déchetterie. On a une déchetterie. Je vous ai écrit en début d'année pour vous souhaiter les vœux et pour vous rappeler que j'étais inquiet pour la déchetterie. Et votre réponse ne m'a pas du tout rassuré. Donc je voudrais avoir des réponses fermes et savoir à quoi s'en tenir. La population de l'ancien canton de Hautefort ne se déplacera pas ailleurs. Je vous le dis de suite. J'ai déjà beaucoup de personnes qui m'en parlent. C'est déjà réglé. Hein, voilà. Donc voilà mon intervention et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir des réponses claires. Merci. Non mais sur la déchetterie d'Hautefort, je ne sais pas comment la réponse a pu vous inquiéter, mais je pense que le président vous a répondu que à l'heure actuelle, il n'y avait pas de projet de fermeture de cette déchetterie envisagée. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça, mais... Non, mais je vous ai dit, je n'étais pas rassuré par la réponse. Le président Protano m'a répondu que pour le moment, il y avait des études qui se faisaient, mais il n'y avait pas de décision pour le moment. C'est vrai, mais ça, pour moi, c'est... C'est ambigu, donc voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je vous ai répondu qu'on est en train de réétudier un maillage des déchetteries pour être davantage opérationnel et que pour le moment, on n'a aucune intention de fermer votre déchetterie. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. D'accord. Bon, donc je vous écrirai, vous me répondrez, donc merci. Après... Non, parce que, excusez-moi si j'insiste, mais la population est très attentive à tout ça. Et bien vous sûr. Savez que nous sommes en milieu rural. Déjà, les gens se déplacent pas mal sur notre ancien canton. Ils n'ont pas l'intention de faire encore plus de kilomètres. Le problème qu'on a avec les déchetteries, c'est qu'on a une cinquantaine de déchetteries, 53 déchetteries sur le département. Ces déchetteries, elles ont été pendant très longtemps laissées comme ça et elles ne répondent plus aux normes. Et donc, quand on a un souci et qu'on est susceptible, qu'on nous met en demeure de fermer une déchetterie, c'est parce qu'elle est dangereuse. Mais je sais très bien que toutes les communes qui possèdent une déchetterie n'ont pas envie de voir leur déchetterie disparaître. Par contre, actuellement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de refaire des déchetteries comme celles qu'on a fait à Tenon dans tous les secteurs. Donc, il y a peut-être des déchetteries qui vont fermer parce qu'on ne va pas prendre des risques de provoquer des accidents. On est en train d'étudier un système de déchetterie mobile qui a été mis en place sur d'autres secteurs et qui peut être très intéressant. Au lieu que ce soit l'habitant qui fasse des kilomètres pour aller à la déchetterie, c'est la déchetterie qui vient toute une journée ou même deux jours, ou suivant comment on va le mettre en place, dans une commune, et la déchetterie mobile, alors c'est si je vous en parle là et que je ne vous montre pas les images, c'est difficile à capter, parce que moi, quand on m'en a parlé, je me suis dit, une déchetterie mobile, elle ne pourra jamais faire tout ce que la déchetterie peut faire. Bien si, il y a des camions, des semis qui arrivent, qui déploient, et on peut récolter tous les flux avec une déchetterie mobile. Et dans les endroits où ça fonctionne, c'est vrai que ça permet à certaines communes d'avoir la déchetterie alors qu'ils ne l'ont pas. Et là, par contre, c'est sécurisé. Donc, c'est vrai qu'il y a un plan de déchetterie à mettre en place, mais
je veux dire, vous êtes tous élus, vous êtes capables de le comprendre. On ne peut pas révolutionner tout ce qui se passe avec les déchetteries, sur 53 déchetteries, du jour au lendemain. Vous avez tous été sûrement visiter la déchetterie de Tenon. Vous avez tous vu le prix que ça coûte. Et on va y aller, mais ça va prendre du temps, quoi. Mais votre déchetterie n'est pas en danger. Donc, tact. Alors, ça vous en avez déjà un peu parlé. Voilà. On travaille sur une tarification sociale. Avec des conditions, je suppose. Alors, mais voilà. Voilà. Voilà, on ne peut pas la mettre en place. Parce que autant c'est légal la tarification sociale pour l'eau et l'électricité, autant c'est pas légal pour les déchets. On a travaillé avec les députés qui sont actuellement en place, qui ont essayé de faire bouger les choses au niveau de l'Assemblée et qui n'y sont pas arrivés. J'ai rencontré pratiquement tous les candidats députés susceptibles d'être élus prochainement. Je les ai déjà sensibilisés sur le sujet. Il faut absolument qu'il y ait une tarification sociale qui se mette en place. Mais ça va prendre un peu de temps. L'essentiel, c'est qu'elle soit mise en place au moment où le paiement sera mis en place, c'est-à-dire au 1er janvier 2023. Et tout à l'heure, on n'a pas dit que de payer en 10 fois, ça coûte moins cher que de payer une seule fois, mais c'est que notre collègue a dit que pour les HLM, pour le moment, ils paient chaque mois, et donc c'est plus facile à encaisser que de payer en une seule fois. Et avec la redevance incitative, ce qu'on a dit, c'est qu'on pourra payer en 10 fois, ça sera la même chose que pratiquement ceux qui paient mois par mois actuellement. Oui, non, je suis d'accord. Mais bon, c'est le même montant in fine. Donc voilà, mais ça c'est une petite remarque. C'était pour préciser que ça sera possible aussi avec la redevance incitative. On pourra payer en 10 fois. Social, donc pour les personnes qui gardent des enfants, alors, les nounous. Pour les personnes, et là je m'engage alors que Dominique vient de dire quelque chose qui est très important, c'est qu'on n'a pas le droit de faire une tarification spéciale. Je ne laisserai pas, quelles que soient les conditions, je ne laisserai pas, je trouverai un système, même s'il est bancal, même s'il est à la limite du légal, mais je ne laisserai pas les personnes incontinentes payer 4 ou 5 fois plus que les autres juste parce qu'elles sont incontinentes. Ça ne serait pas tolérable. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à bouger avec les députés et les sénateurs comme on a essayé de le faire, on trouvera un système qui permettra aux personnes incontinentes de payer le même tarif que les autres. Pour les couches bébés, c'est un autre problème, parce que autant une personne incontinente, elle va avoir un sac de couches à mettre presque par jour dans la borne, autant pour les bébés, une couche bébé, c'est gros comme le poing, et pour les personnes qui mettent leurs enfants en nourrice, bon, il y a peut-être longtemps que j'ai pas eu de bébé, c'est peut-être un peu plus gros que le poing, mais pour les personnes qui amènent un enfant chez la nourrice va le répercuter sur le prix de la journée et ça va être quelques centimes de plus parce que c'est pas la couche bébé qui va augmenter le sac de la nourrice. Ouais, ça j'y crois pas trop. Je peux quand même vous en parler en connaissance de cause parce qu'il se trouve que mon épouse est assistante maternelle, donc j'ai 4 bébés à la maison en permanence et on est dans une zone qui est déjà en redevance incitative. Au moment où c'est passé, tout le monde nous disait « Oh là là, ça va être la révolution, les assistantes maternelles ne pourront pas assumer, etc. » Je vais vous dire, nous, on n'a pas augmenté les tarifs pour accueillir les enfants, on les prend en charge dans nos poubelles, ça n'a pas augmenté notre volume de poubelles, parce que c'est des petites couches, ça ne prend pas de place, ce n'est pas quelque chose de volumineux ni qui sent extrêmement mauvais, comme peuvent être des couches pour personnes adultes. Et donc, au final, tout ça, c'est un faux problème. Et il n'y a pas eu de difficulté avec les assistantes maternelles sur le secteur où je suis, qui est déjà en redevance incitative depuis 2013. Voilà. Bon, mais espérons. Mais je ne suis, pas convaincu quand même. Mais espérons, hein, je prends un acte. Par rapport à ce que vous avez dit sur votre commune, le point particulier de votre commune qui a été mis en place d'une façon un peu cavalière, bon, vous m'avez écrit... J'ai pas mis ce mot. Oui, mais bon, c'est un petit peu ce que ça voulait dire. Vous m'avez écrit, mais le courrier est arrivé aujourd'hui.
J'ai vu votre courrier avant de partir. Donc, je n'ai pas encore... J'ai envoyé le 8 juin à 7h05. Oui, donc je l'ai eu aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas encore traité, mais vous m'avez dit que vous avez un rendez-vous prochainement. J'espère que ça sera traité. Si ça ne l'est pas, je vous invite à m'appeler et je verrai moi-même ce qu'on peut faire pour... Et s'il faut, je me déplacerai pour venir vous voir s'il y a quelque chose à faire de spécial sur votre commune. Gatti a appelé aujourd'hui, il devait appeler mardi, mais bon, je ne vais pas chipoter pour ça. Mais donc, les commerçants étaient rassurés qu'ils se déplacent et ils attendent des solutions. Alors, à ce sujet, moi, j'ai un avantage, c'est que, en plus d'être président du SMD3, je suis aussi maire d'une commune et deuxième vice-président d'une communauté d'agglos. Donc, les problèmes, je les connais aussi. J'ai été très surpris de découvrir, quand j'ai pris la présidence du SMD3, le problème des aides à domicile. Pourquoi ? Parce que sur le Grand Périgueux, sur ma communauté d'agglos, il y a 6 ou 7 ans qu'on a mis en place les points d'apport volontaires. Et puis là-bas, il n'y a pas le choix, quoi. Tout le monde est en point d'apport volontaire. Il n'y a plus de porte-à-porte. Et on a mis en place ça et on n'a jamais eu le moindre problème d'aide à domicile. Les aides à domicile, c'était dans leur fiche de poste. Elles partaient et elles prenaient la poubelle. Donc, très sincèrement, moi, je me suis dit, l'affaire est réglée. Et la seule chose qu'on a fait, c'est d'acheter les petits bacs pour qu'elles mettent dans le coffre de la voiture et qu'elles mettent le sachet pour ne pas salir le coffre de leur voiture. Quand j'ai vu arriver les voitures pour les aides à domicile, je me suis dit, ben là, c'est encore mieux, puisque maintenant, elles ont une voiture, elles ont été un peu valorisées, ce qui est une très bonne chose, parce que il y avait des aides à domicile qui, moi je le vois pour ma commune, qui des fois ne pouvaient pas partir travailler le matin parce qu'elles avaient les voitures en tellement mauvais état que la voiture ne démarrait pas. Donc maintenant elles ont des voitures, ça c'est une très bonne chose. Donc le problème se pose encore moins. On a travaillé dès le début, dès mon arrivée au SMD3, avec les fédérations d'aide à domicile.
Et les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, il n'y a pas de souci, elles vont le faire. Bon. Et puis, à un moment, ça a commencé, dans certains secteurs, on a commencé à dire, oui, mais si elles le font, sur quel temps de travail, qui les paie, etc. Donc là, je me suis rapproché du conseil départemental, j'ai vu le président du conseil départemental, qui a dit, pour nous, ça fait partie de la tâche de l'aide à domicile. Donc, pour moi, c'était dans la tête à tout le monde, c'était ancré. Maintenant, ça ressort un petit peu, parce qu'il y a, d'après ce que j'ai compris, quelques fédérations, quelques SIAS qui ne veulent pas le faire. Ça, il faut que tout le monde soit traité pareil, quoi. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment, on arrive à faire la même chose sur tout le département. Et il n'y a pas de raison que sur un secteur, l'aide à domicile parte avec la poubelle et que sur l'autre, ça ne parte pas. Les principaux opposants m'ont dit que l'aide à domicile, elle n'a pas à toucher à la poubelle. L'aide à domicile, elle touche à la poubelle. Quand elle fait le ménage chez quelqu'un, elle la touche, la poubelle. Elle la prend quand elle s'en va, ce qu'on demande. À ce moment-là, le sac est fermé. Et en même temps, ce qu'on a proposé, nous, c'est de faire des formations au sein du SMD3 aux aides à domicile pour justement leur apprendre à trier davantage et leur permettre de trier davantage chez les personnes chez qui elles interviennent. Ce qui fait qu'elles vont réduire la part de déchets en triant correctement, parce que chez les personnes très âgées, il y en a qui mettent tout dans le même sac. Hein. Ils ne font pas le tri du sac jaune, du sac noir, etc. Donc je pense qu'on a une opération à faire avec les services d'aide à domicile qui est gagnant-gagnant. Je ne pense pas que ça pose un problème. Et je pense qu'on va y arriver parce que petit à petit, maintenant, je travaille beaucoup avec certains SIAS, certaines, et tout le monde me dit oui, c'est un truc qu'on va arriver à mettre en place. Je reconnais que là où il n'y a pas les voitures, c'est plus complexe. Et pour terminer sur ce sujet, il y a des personnes, par contre, qui n'ont pas d'aide à domicile, soit parce qu'elles n'y ont pas droit, soit parce qu'elles ne l'ont pas demandé, et qui peuvent avoir des difficultés pour aller jusqu'au conteneur. Et ces personnes-là, bien sûr, on ne peut pas les laisser tomber non plus. Ce qu'on a proposé, c'est deux systèmes un petit peu différents. Soit la commune, parce qu'il y a des communes qui veulent le prendre en charge, c'est un lien qu'elles ont avec les... Quand on a voulu s'en occuper, nous, il y a des communes qui m'ont dit « Non, c'est hors de question, on veut le prendre en charge, nous. » Donc, soit c'est pris en charge par le CCAS de la commune et elles vont collecter les personnes qui sont en difficulté de déplacement, soit, et nous, on les aide financièrement sur ce système, soit elles ne veulent pas le prendre en charge, les communes, et c'est nous, avec nos services de repasse, qui allons aller chercher les sacs chez ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et c'est nous qui allons assumer le service. Le SMD3. Bon, on va apporter une réponse. Alors après, je sais plus, tout le monde a fait le tour en sortant de la cet après-midi du bureau du président du conseil départemental. Je vais pas te dire que j'ai entendu totalement. Ok, mais moi il me l'a écrit. Mais oui, ça m'a expliqué que bon, on a siégé au département, et on a tous fait de la politique. Et je... Par l'esprit communautaire ici, on cherche à avoir la même position sur que ce soit dans par élève, dans les parents, dans les écoles, et certaines choses, on cherche à diminuer les concurrences. Après moi, Dominique, je prends l'exemple de ma commune, puisque c'est celle que je connais le mieux. J'ai 2400 habitants. Si on enlève toutes les personnes qui sont collectées par l'aide à domicile, il me reste deux personnes qui ne peuvent pas aller à la borne. Ces deux personnes,
on les collecte, nous, là c'est la commune qui le fait depuis le début, c'est le gars qui ramasse les poubelles publiques, il les ramasse le vendredi, quand il les ramasse, il va chez ces personnes et il prend le sac. Tant qu'on n'en a que deux, c'est pas compliqué. S'il y en avait plus, ça serait davantage compliqué. Mais pour deux, on arrive à le faire. Non, mais c'est vrai que zone rurale comme nous, des personnes âgées qui sont disséminées sur tout le territoire, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Dernière question que j'avais posée concernant nos visiteurs, les touristes, qui sont assez nombreux chez nous, et tant mieux, et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux cette année. Comment va-t-on gérer ça? Alors, la carte à acheter chez le buraliste. Et il faut savoir déjà de quels touristes on parle. Si c'est des touristes qui résident sur le territoire, donc soit ils sont en gîte, soit en camping. À rigueur, si on pose des questions, je pense qu'on va avoir la réponse. Mais si on parle des touristes qui sont hébergés sur le territoire, donc que ce soit en gîte, en camping, en hôtel, etc., ils ont déjà une solution qui est apportée par le gestionnaire de l'installation. On est d'accord. Ça représente quand même, il faut le souligner, une très très grosse majorité des touristes. Bon. Les seuls touristes qui sont vraiment compliqués à gérer pour nous, ce sont les touristes qu'on appelle touristes itinérants. C'est-à-dire c'est des touristes qui sont soit en camping-car, soit qui passent pour la journée pour visiter un site, et qui repartent hors département le soir. Ils vont visiter le château. Le château de Montfort. Ou le musée de la médecine. Sarlat. Voilà. Ils font en général des tours et puis ils ne restent pas très longtemps, ils restent la journée. Bon. Ceux qui sont dans cette situation-là, on avait mis en place l'an dernier pour avoir une solution, mais on savait très bien qu'elle ne serait pas pertinente, la fameuse carte prépayée qui permettait d'accéder à la borne. On savait que ça n'apporterait pas de solution intéressante parce que c'est trop compliqué. D'abord, il faut le savoir. Après, il faut être motivé. Il faut aller dans un bureau de tabac à condition qu'il y en ait un qui fasse la distribution pour le chercher, pour l'acheter, pour revenir sur la borne. Bon, c'est trop compliqué. On est en train de déployer une solution qui a déjà été testée dans un endroit qui est très touristique, qui est Vérone, en Italie, avec un accès aux bornes par le smartphone. Directement en Bluetooth par déverrouillage de la borne. Bon, c'est une solution qui n'existait pas au moment où on a commandé les dispositifs de contrôle d'accès, mais elle est opérationnelle depuis le début de cette année, depuis 2022. Par contre, pour la déployer, on a une opération technique à faire, c'est qu'il faut qu'on démonte les contrôles d'accès, qu'on les ramène en usine, qu'on rajoute une pièce et qu'on les remonte. Donc on est obligé de faire ça avec un stock roulant. Ça prend un peu de temps et en gros, on en a pour 6 mois pour mener à bien l'opération sur l'ensemble du département. Donc le dispositif est déjà déployé et en test sur le secteur qui est le plus touristique, qui est celui de Belvès. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le déploie aussi très rapidement sur votre commune, puisque vous avez cette spécificité du château qui amène beaucoup de touristes, pour que vous puissiez aussi l'expérimenter dès cet été. Voilà. Il y a mes voisins de Tortorax. C'est pareil, ils ont beaucoup de monde aussi. Qui ça, pardon? Les voisins de Tourtoirac. Mais Dominique... On va organiser le déploiement sur vos communes pour que vous ayez cette solution. Ouais, c'est pourquoi l'accès ce soir en diamètre. Moi, je ne vais pas poser de questions, je vais juste faire une remarque. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que depuis 3 mois, on est dans une situation économique, la France en général, extrêmement différente de ce qu'on a vécu les mois précédents, et les années précédentes, pendant lesquelles vous avez installé un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent et qui n'ont pas la même aujourd'hui, la même perception par les populations qui sont les nôtres dans nos communes très rurales où le revenu moyen est souvent très inférieur au revenu moyen, au revenu médian et où il y a une difficulté économique. Et là, malheureusement, à Rennes-Gérigord, par exemple, tous les habitants ont reçu un papier leur disant qu'ils allaient payer grosso modo entre 300 et 500 euros par mois. Ils n'auraient pas dû le Par an. Et où est la garantie aujourd'hui qu'ils paieront moins de taxes d'enlèvement des ordures ménagères? Ils ont l'équivalent en moins. Où est cette garantie-là? Où est la communication que vous pouvez faire pour montrer à ces gens que la problématique économique aujourd'hui est la nôtre, qui est celle d'une difficulté, d'une vie de la population, qui est celle de personnes un peu âgées qui ont beaucoup de difficultés
passé, etc. Et aujourd'hui, on leur dit, eh ben, vous allez payer plus pour vos ordures. Si vous avez, au lieu d'un sac tous les 15 jours, vous en avez une fois de temps en temps, vous en avez un de plus, eh ben, il faudra payer. Comment voulez-vous qu'on leur explique ça? C'est impossible à expliquer aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, une de vos priorités, c'est de prendre en compte cette situation économique différente, à la fois dans la solution proposée, pour éviter qu'on se retrouve avec le type de document qu'on a eu, et dans la communication que vous devez faire, et pas nous devons faire, que vous devez faire, pour dire, c'est le SMD3, c'est pas à nous d'assumer la problématique que vous êtes en train de mettre en place, et le système que vous êtes en train de développer. Voilà, moi, ce n'est pas une question, c'est juste ma réflexion. Mais je vais quand même vous répondre sur cette réflexion, parce que là, vous mettez le doigt sur un point sensible, et ça a été toute ma difficulté quand je suis arrivé au SMD3. J'ai fait des dizaines et des dizaines de réunions publiques, et à chaque fois, les gens étaient, à l'arrivée à la réunion, étaient remontés, mais vraiment très remontés, parce qu'ils pensaient qu'on mettait en place un impôt nouveau supplémentaire. Et ils ne comprenaient pas soit qu'on allait enlever la TOM, parce que ça a été mal expliqué, hein, parce qu'on l'explique peut-être encore mal, mais surtout, ils pensaient qu'ils allaient payer plus cher automatiquement. Mais quand on demandait combien vous payez de TOM, personne ne savait, parce que les gens ne savent pas combien ils payent de TOM. Ils savent combien ils payent de taxes foncières, mais ils ne savent pas quelle est la part. Ils ne vont pas regarder, ils regardent ce qu'il y a en bas de la feuille, et ils ne regardent pas le reste. Combien vous payez de TOM, ils ne savaient pas. Mais le pire, c'est que même dans les salles que je rencontrais, la moitié des personnes disaient, mais pour le moment, on ne paie pas. Et vous voulez nous faire payer. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils payaient dans leur taxe foncière. Et il y en a qui me disaient, mais moi, quand j'expliquais, les propriétaires comprenaient qu'ils payaient. Mais moi, il y en a qui disaient, moi, je suis locataire, je ne paie pas. Mais si, j'ai parce que le propriétaire vous répercute la charge quand vous êtes locataire. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez dit. Alors, on a fait quelques pages sur Sud-Ouest là, récemment en disant que la redevance incitative n'est pas un impôt supplémentaire, mais qu'il vient remplacer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'ils ont sur la feuille de taxe foncière. Mais c'est vrai que tout le monde ne l'a pas encore assimilé. Le directeur me dit que c'est marqué sur la brochure que c'est pas un impôt nouveau, mais c'est pas assez détaillé, enfin c'est pas assez explicite pour que les gens comprennent qu'ils ne paieront plus la TOM qui est sur leur taxe foncière. Mais on a prévu de le mettre sur la facture pédagogique bien plus que ça se voit davantage. Mais il y a une question qui reste à poser. On a reçu les tarifs concernant les soirées festives par les associations. Donc, si j'ai bien lu, le tarif serait le dépôt des containers à hauteur de 200 euros et après la collecte en fonction des volumes des containers et des volumes qui seront apportés. Est-ce qu'à chaque soirée festive, il va y avoir un dépôt, une amenée et un retrait de containers? Ou est-ce que ces containers seront posés une fois pour la saison ou dans une commune, par exemple, où il y a des soirées régulières, ou au moins plusieurs soirées? Merci Dominique. Voilà, c'est ça.
Non, sur les soirées festives, effectivement, si c'est quelque chose qui a lieu tous les semaines pendant l'été, vous avez tout intérêt à garder les bacs pendant toute la période estivale, et là, vous ne paierez qu'une fois les coûts d'amener repli. Voilà. Ce sera possible de n'avoir qu'une amenée à un retrait de container. Là, c'est ça. Okay. Donc Stéphane Roudier. Bon. J'espère qu'on ne produira pas de déchets. Donc Stéphane Roudier, je suis maire de Condat-sur-Vézère et je dépend du CIRTOM. Donc moi je suis content de vous avoir ici parce qu'on a souvent entendu parler du SMD3 et c'est une occasion de vous poser des questions puisque apparemment vous êtes venu pour ça. Alors je trouve que les réponses que vous faites, mais malheureusement... Malheureusement, je pense que voilà, vous apportez des réponses un peu trop tranchantes alors que des élus ne font que leur travail et vous posent des questions. Voilà, cette approche me gêne un peu. Moi, j'ai 7 points à voir avec vous, donc je ne sais pas si vous voulez les noter, parce qu'à chaque fois, vous vous interrompez pour... Non, on est dans une logique. Généralement, on écoute son interlocuteur. Bon, tout d'abord, moi, j'ai reçu un courrier sur la commune de Condat-sur-Vézère me demandant de mettre à jour mon compte pour la perception de la ROM. Et j'ai été interpellé à ce sujet, et vivement interpellé. Bon, je n'ai pas su répondre, j'ai dit à appeler le président du syndicat que je ne connaissais pas. Mais... Donc je ne sais pas s'il vous a appelé. Alors, soit vous êtes très bon en communication ou très bon en gestion de déchets et mauvais en communication, j'en sais rien, mais il y a un souci en quelque part. La question de la facturation, j'espère qu'elle est bien cadrée, qu'on n'aura pas des incidences, nous, communauté de communes, pour avoir à rattraper des impayés ou autres, des frais de gestion, parce que les frais de gestion, et c'est là où j'ai besoin moi, d'aller jusqu'au bout de ma logique. Vous parliez que les 8% de frais de gestion, ça va faire une économie pour le contribuable. C'est faux, puisque les frais de gestion, ils vont être assumés par le syndicat, par la collectivité, peu importe laquelle des deux collectivités va porter sa gestion de la facturation, donc il n'y a pas d'économie là-dessus, c'est faux. L'État prélève les frais qui lui incombent pour prélever ses taxes ou ses redevances. Concernant les bases de valeurs locatives, là, j'aimerais vous dire, gérez vos déchets et nous, on s'occupera de nos bases locatives en tant qu'élus, à travers nos commissions des impôts directs et de la revalorisation de nos habitations. Voilà, ça, j'ai pas trop apprécié. Que chacun s'occupe de ses affaires et tout ira pour le mieux. La question des déchetteries mobiles, ce n'est pas une invention, ça existait déjà sur d'autres syndicats, ça a été abandonné. Essayez de voir, faites, comme disait je ne sais plus qui, faites un peu de concertation pour voir plutôt que d'avancer et d'imposer après derrière, même si les élus ne sont pas forcément toujours au courant, malgré ce que vous dites. Et c'est la question plus générale qui va chapeauter tout ça. Quelle est votre politique sur la question des déchets, politique générale? Puisque là aussi, j'ai vu beaucoup d'articles. Quelle est votre position sur cette politique générale de la gestion des déchets sur le long terme et qui concerne les personnes que vous allez collecter ou taxer via la redevance? Voilà. Bon, j'ai noté que j'ai été tranchant dans mes réponses. Je peux dire que vous êtes tranchant dans vos questions. Donc on est à égalité. On repartira à égalité. Vous posez pas mal de questions. Vous êtes sur le syndicat qui est collecté par Brive. Vous êtes collecté par Brive. Le problème qu'il y a dans votre secteur, c'est que les gens ont toujours tendance à comparer les deux. Ce qui est... Oui. Mais souvent, ils comparent sans avoir tous les éléments. Quand je viens sur votre secteur, des administrés et même des élus, ça m'est arrivé il y a très peu de temps, me disent, oui, vous ne savez pas gérer votre syndicat parce que vous avez 500 employés, alors que côté Brive, il y en a beaucoup moins. On collecte 300 000 usagers. Oui, mais c'est la question qui revient tout le temps. Oui.
Et chez vous, je crois qu'ils en collectent un peu moins de 100 000. Donc forcément, on a plus d'employés. Et puis en plus, nous, nous faisons la collecte et le traitement. Alors que chez vous, ils font la collecte, mais pas... Donc forcément, on a une façon de gérer qui n'est pas la même. Ma politique, moi, sur la gestion des déchets, c'est simple. Il y a un cadre, c'est l'environnement. Il faut absolument qu'on enfouisse le moins de déchets possible. Et la politique à long terme que l'on veut mettre en place, c'est de réduire l'enfouissement. Et pour réduire l'enfouissement, je suis persuadé, alors je l'ai dit tout à l'heure, on a pris la décision avant que j'arrive, hein, mais je vais porter cette décision, je l'assume pleinement parce que je suis persuadé que c'est la bonne décision. La seule façon de faire, c'est de mettre en place la redevance incitative, parce qu'on l'a vu, en mettant en place cette redevance incitative, avant même que les gens paient, on a juste bloqué des bornes dans certains secteurs, et le directeur pourrait vous dire exactement les chiffres, je ne les ai pas tous en tête, mais on a juste bloqué les bornes, et on a réussi, dès qu'on a bloqué, à enfouir 30% de moins de déchets que ceux qu'on enfouissait avant. Je veux dire, c'est énorme. Et quand on va arriver à la facturation, je suis sûr qu'on sera à 50%. Alors, il y a la redevance incitative. Pour faire aussi des économies, il y a le développement des points d'apport volontaires, parce que là aussi, il est évident que quand on est en point d'apport volontaire, ça a été prouvé partout. Nous, je vois au Grand Périgueux, quand on a mis en place les points d'apport volontaires, sans la redevance incitative, on a déjà fait des économies et on a eu une qualité du tri qui était bien meilleure. Et on a inversé, il y avait 60% de sacs noirs pour 40% de sacs jaunes. On a inversé rien qu'avec le développement des points d'apport volontaires. Donc ça, c'est deux solutions qui portent ses fruits. Mais il va falloir aller plus loin, parce qu'à un moment, on ne pourra plus enfouir. Il va falloir travailler sur l'incinération, il va falloir travailler sur plein de choses. Mais d'autant plus que la taxe d'enfouissement va augmenter, donc forcément vous allez vous diriger vers l'incinération. L'incinération, on est bien d'accord. On va être obligé d'y aller. Voilà. Oui. Alors que l'autre syndicat dont vous expliquez qu'ils ne gèrent pas de la même manière, ils sont déjà à l'incinération depuis des années. Mais là-dessus, ils ont été bien meilleurs. Voilà. Puisque je pense que ce qui s'est passé, c'est que en Dordogne, quand il y a eu un projet d'incinérateur, les élus, et là je ne vais pas faire de politique, mais des élus bien marqués, n'ont pas voulu de cet incinérateur. C'était il y a 25 ans, on aurait cet incinérateur aujourd'hui, on ne serait même pas en train de parler de tous ces problèmes. Vous allez l'avoir, là. L'incinérateur ? Oui. On va commencer à en parler. Non, il y a un arrêté préfectoral qui a déjà acté le fait qu'il y en aura un incinérateur. Où, en Dordogne ? Et à Condat. Oui, à Condat. Mais voilà. Après, il faut qu'on s'entende avec Condat. Ben, il y a quand même une loi qui vous impose, c'est 50%, 50% des volumes doivent venir de 50 km maximum, 90% dans un rayon de 200 km, et globalement, 80% du tonnage doit être collecté dans un périmètre de 100 km. Donc vous serez dedans. Non, c'est pour ça que je vous posais la question de votre politique générale. C'est pas du tout un incinérateur, parce qu'en fait, c'est une chaudière à combustible solide de récupération, et elle n'est pas agréée pour les ordures ménagères. Donc elle déjà, va brûler quoi ? On pourrait parler... Elle va brûler quoi, alors ? Elle va brûler du CSR. Donc c'est-à-dire ? C'est un produit qui est fabriqué à part... Pas fabriqué. De tout venant de déchetterie. Vous voulez que je vous montre l'arrêté ? Je l'ai. Non, mais... L'arrêté, je le connais bien. Je veux bien. On vient de terminer une étude en relation avec la papeterie de Condat pour alimenter leur chaudière. J'y donc je sais à peu près de quoi je parle sur le cahier des charges, puisqu'on a bien regardé. Bon. Je vous dis que j'ai l'arrêté sous les yeux, vous le voulez ? On a discuté avec les papeteries de Condat qui ne souhaitent pas avoir d'ordures ménagères sur cette chaudière et leur arrêté ne le permet pas ou dans une proportion minime. Et donc, les études portent sur la fabrication de CSR à partir de tout venant de déchetterie, de bois et de déchets industriels banals, mais pas à partir d'ordures ménagères. Ce sont des refus de tri.
Les refus de tri, c'est les refus de centre du plastique. Non, plastique. Du plastique, des matériaux composites, il y a de tout. Oui, mais pas de l'ordure ménagère. Non, ce sont des résidus de plastique, les résidus. Non. Oui, du déchet industriel banal, du tout vivant. Je ne dis pas qu'on brûle des ordures ménagères. Est-ce que j'ai dit ça? Un incinérateur, est-ce oui, que c'est pour brûler des ordures ménagères. Non, je n'ai jamais dit ça. Je vous ai parlé d'incinérateur et je vous ai parlé de refus de tri. C'est tout ce que je vous ai dit. Donc venez pas m'expliquer ce que je sais. J'ai participé à ces commissions et je sais exactement ce qu'il y a dans l'arrêté, puisque je l'ai voté, cet arrêté. Nous, ce qu'on a brûlé, c'est donc arrêtez de donner des leçons. C'est pas le... Donc la question, l'enfouissement, c'est très bien que vous vous orientez vers ça. Les éléments de comparaison, oui, on les compare. On compare avec le CIRTOM. Alors c'est dommage que Jean Bousquet soit pas là, parce que moi j'aurais bien voulu qu'on compare vraiment quelles ont été les décisions politiques qui ont amené à cette situation. Après, fondamentalement, sur la question de la Rome ou de la TOM, moi, je trouve que la Rome est source d'inéquité et que la taxe d'ordures ménagères assure une solidarité entre les personnes qui ont les moyens d'assumer ces déchets. Et je précise, parce que vous avez l'air d'interpréter, je suis favorable au tri. Je pense qu'il faut qu'on réduise les déchets. C'est là où vous, syndicats, vous ne jouez pas votre rôle. Vous devez communiquer sur le fait de dire... Nous devons réduire les déchets. Il faut arrêter de dire que les déchets, on va les prendre en charge. Il y a des solutions de recyclage, c'est faux. On ne peut pas tout recycler. On va incinérer tout ce qu'on ne pourra pas traiter. Et on ne peut plus enfouir parce que l'État ne veut plus. Et c'est normal. Et ça va coûter cher aux structures. Voilà. Je vais arrêter là parce que c'est vrai qu'on pourrait passer la nuit. Juste un chiffre peut-être, puisque vous souhaitiez des comparaisons. La production d'ordures ménagères par habitant sur le CIRTOM de Brive, elle est de 180 kg par habitant et par an. Sur le territoire du SMD3 qui est passé en redevance incitative, elle est à 140 kg par habitant et par an. Et c'est d'ailleurs un chiffre qui n'a rien d'étonnant, puisque c'est celui qu'on observe partout au niveau national. La redevance incitative est globalement plus efficace d'un point de vue environnemental que la taxe incitative. Après, on peut discuter sur l'équité ou sur le choix politique de passer plutôt par une taxe ou par une redevance. Mais sur les chiffres en matière de réduction des déchets, il est clair que la redevance incitative est plus efficace que la taxe incitative. Oui, mais après, c'est derrière, c'est le résultat qui compte. On a beau afficher des chiffres positifs, si derrière, des personnes n'ont pas les moyens de gérer ou de payer, ou vont même se débarrasser des ordures ménagères, ou même des déchets qui ne peuvent pas aller en déchetterie, aujourd'hui, on les ramasse. C'est les collectivités qui assument ce rôle. Et là, les 8%, moi, je ne les facture pas, les 8%. Pourtant, j'assure ce service, et on l'assure par défaut. Voilà. Vous savez, le choix qui a été pris, ça a été 4 ans de discussion. Et ça a été pris, je l'ai dit tout à l'heure, par les élus du précédent mandat à l'unanimité. Et maintenant, on est parti dans ce choix et on l'applique. Et par contre, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'on n'incite pas les gens à trier à réduire les déchets. On a des animateurs qui tournent dans les écoles, qui vont partout pour expliquer ça dès le plus jeune âge aux enfants, pour que les enfants le répercutent aux parents. Et on y passe un argent en communication là-dessus pour améliorer le tri qui est colossal. Mais c'est parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Bon, le débat, je crois que... Alors, au-delà de ces deux délibres sur lesquels on va voter aujourd'hui, et je vais vous donner mon sentiment. Ça a permis de poser des questions qui sont des questions qu'on va avoir à régler tous les jours. Et je remercie aussi Arnaud Jacquet, qui on va se rencontrer concernant... Parce que certes, on peut choisir du porte-à-porte, et sur notre territoire, il y a quelques communes qui sont porte-à-porte. Mais je ne suis pas sûr, mais c'est chaque maire qui décidera, hein, mais je ne suis pas sûr que les maires soient en capacité de dire à leurs citoyens, si c'est en porte-à-porte, au lieu de 100 euros, ça passe à 200. Hein, donc c'est un choix qui me paraît un peu compliqué. Et je pense qu'à terme, on sera tous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en apport volontaire. Par contre, il faudra bien qu'on essaye de répartir que ce soit les conteneurs semi-enterrés, que ce soit les bornes, de la façon la moins mauvaise
je n'ai pas dit la meilleure, de la moins mauvaise possible. Parce que là, on aura à le gérer. Alors, sinon, il y a une autre solution pour nous, les élus. C'est de dire, c'est pas nous, c'est le SMD3, démerdez-vous. Et allez le voir. Ce ne sera pas notre façon de faire. Mais ça serait peut-être plus simple. Peut-être que je ne t'engueulerai pas, que je ne te critiquerai pas, que je ne ferai pas des remarques. C'est les mots forts que je dis. Mais faire des remarques, c'est pas facile. Peut-être pour toi, mais c'est pas facile pour moi. C'est plus facile de dire, c'est le SMD3, on lui a donné la compétence, démerdez-vous avec. Mais ça ne sera pas notre façon de faire. On essaiera, on a conscience de plein de difficultés, on a conscience de plein de choses qui ont été données par les uns et par les autres, et on essaiera de trouver les moins mauvaises solutions. Donc voilà pour le débat général. Alors, je redis que chez nous, c'est très compliqué, car on a une communauté de communes avec deux secteurs, deux philosophies différentes, et pour expliquer à Borgard que la philosophie n'est pas la même qu'à Terrasson, c'est pas simple si on est président de la communauté de communes pour expliquer que peut-être demain tout sera pareil, mais qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Donc c'est compliqué. Après, j'avais... Alors, concernant les deux délibres, il m'a été dit aujourd'hui, vous avez qu'à faire comme Nontron, vous avez qu'à faire comme Sarlat, vous avez qu'à faire comme Bergerac, on m'a même mis Périgueux, bien que je pense que ça évolue, et ne pas être favorable à ça. Donc là, tu vas répondre aussi. J'ai répondu que Sarlat, c'était un syndicat indépendant qui n'avait pas donné la compétence, donc il faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais pour l'instant, il peut ne pas être dans la même situation que nous. Il en est de même pour Nontron, et Bergerac a voté aussi, mais c'est en train d'évoluer entre leur système. Donc nous, aujourd'hui, que vous votiez ou que vous ne votiez pas, vu qu'on a transféré, mais écoutez-moi bien, parce que si j'ai des bêtises, il faut me contredire, vu qu'on a transféré en son temps, bon, c'est comme ça, la compétence au SMD3. Si là, on votait contre, aujourd'hui, la suppression des délibérations, vu qu'on est au SMD3, on passerait quand même en redevance incitative. Simplement, juridiquement, on compliquerait quelque peu la tâche du SMD3 sur d'éventuels recours et d'éventuels contentieux. Voilà. Et même nous. Ouais. Il y aurait des contentieux divers à gérer. Sur les statuts, j'ai bien dit qu'il y avait une petite différence. Moi, vu ces éléments, je pense qu'on n'a pas le choix. Avec Nicolas, on a pris rendez-vous cette semaine chez le préfet. On a pris rendez-vous chez le président du Conseil général. On va pas chez la DDFIP. On a rencontré tous ces gens-là. Et je n'ai pas l'habitude de vous dire des choses uniquement pour vous faire plaisir. Les trois m'ont dit, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, ce que vous pensez ou pas pensez, la démarche, elle est celle-ci. On peut simplement semer un petit peu de cirque et se bagarrer entre nous, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc, par contre, il va falloir, ensemble, essayer de trouver les moins mauvaises solutions. Donc, je voterai ces deux délibérations, tout en ayant dit depuis longtemps, et c'est écrit dans des délibres, que j'étais réservé sur les applications sur notre territoire, du fait de la particularité de nos territoires, du fait qu'on est passé de redevance en taxe et que maintenant on nous demande de repasser en redevance, ce qui va poser d'énormes problèmes de communication et de consensus, que vous avez exposé, je ne vais pas les reprendre, toutes les difficultés qu'on aura à gérer. Et d'autre part, c'est très difficile d'expliquer qu'à Terrasson, jusqu'à la Bachellerie, en passant par le Lardin, c'est blanc, et qu'ailleurs, c'est noir. Ça sera très, très difficile à expliquer. Donc, je m'attends, et le nombre de points d'apport volontaires, j'ai cru comprendre qu'on avait droit, si on prend que des critères de population, à 8 conteneurs semi-enterrés ou 12 bornes aériennes. Voilà, si c'est ces chiffres-là, on n'a pas fini d'avoir des tensions.
Ok, mais j'en ai conscience de tout ça. Donc, mais votre vote aujourd'hui ne changera pas grand-chose. Donc ce que je demande très officiellement au président, mais je sais pas, tu m'as dit que ce n'était pas possible, vu qu'on a un cas très particulier de notre territoire et que, bon, on le votera même si chacun a plutôt envie de ne pas le voter. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis ce que le président votera et ce que je pense qui est le plus raisonnable aujourd'hui, après avoir rencontré le préfet en Dordogne, je ne peux pas trouver beaucoup plus haut, hein, le DGFIP, M. Méallier, qui est très au point de tout ça, plus le président du Conseil Général encore cet après-midi, qui m'ont tenu à peu près le même discours que je vous tiens aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas vraiment, vu qu'on fait, un petit peu un vote qui n'est pas tout à fait celui qu'on aurait envie de faire, hein, pour les différentes observations et raisonnements qui ont été faits. Et comme ça avait été accordé au début, qu'on y passe que en 2000, donc là c'est en 2013, en 2014, nous laisser un an du fait de notre particularité. Alors on me dit que c'est pas possible. Là par contre, les services préfectoraux et d'autres m'ont dit que c'était pas évident, mais que c'était concevable. Alors je peux comprendre que faire un cas particulier peut te mettre en problème, mais si je demande ça, c'est que c'est notre particularité. Hein, voilà. Alors après, on n'a pas vraiment le choix. Demain, on veut quitter le SMD3. Il faut d'abord que le SMD3 accepte qu'on parte. Hein, parce que et c'est pas la CDCI restreinte qui peut, on peut le demander. Ça, la CDCI restreinte, c'est fait pour les communes. Une communauté de communes, on peut pas demander notre départ du SMD3. Donc vous faites pas trop d'illusions. À ceux qui me disent, il n'y a qu'à rejoindre Brive, c'est des discours de tribune. C'est des discours qui ne sont pas réalistes et qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis clairement qu'il y a des fois où on a totalement carte blanche pour décider. Là, on peut montrer notre mauvaise humeur, et vous l'avez montré, et je ne suis pas derrière quoi qui ait pu être dit. Il paraît que c'est moi qui vous donne des arguments pour critiquer le SMD3. Hein, je ne pense pas que ce soit le cas. Je passe assez de temps à trouver des consensus et essayer de trouver du calme. Hein? Donc, si on avait cette possibilité, vu notre contexte, les changements récents, on revient dessus, deux syndicats, de faire comme je l'avais demandé et comme c'était marqué dans une délib, d'attendre un an de plus, vu notre spécificité, ça prouverait que nous, on a fait un pas en avant, malgré ce qu'on pense, dans un esprit de consensus et qui serait un peu reconnu. Voilà, Monsieur le Président. Alors, je vais répondre, puis ça va clôturer le débat, je pense. Après, vous allez pouvoir passer au vote. D'abord, je voudrais dire que je maintiens ce que j'ai dit au début et j'espère que vous êtes de mon avis. La meilleure façon de discuter entre le SMD3 et les communes, et donc avec les intercommunalités, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Parce que là, tout le monde entend les questions, tout le monde entend les réponses, et je pense que c'est le bon cheminement, c'est la raison du changement des statuts. Pour répondre à la question que tu poses, je ne sais pas qui t'a répondu à la préfecture, mais nous, on a le préfet qui nous a dit, et on l'a vérifié, et on a travaillé dessus, on a même fait travailler notre cabinet d'avocats, il n'est pas possible qu'il y ait un seul secteur qui ne passe pas à la redevance incitative en même temps que les autres. Et moi, c'est le préfet lui-même qui me l'a dit, c'est l'ancien secrétaire général et les services juridiques qu'on a consultés m'ont dit que c'était totalement impossible. Là-dessus, peut-être pour compléter, parce que nous, ça nous aurait arrangé de pouvoir passer les secteurs par phase. C'était ce qui était prévu au départ, d'ailleurs. C'est la préfecture qui nous a bloqués sur ce dispositif, parce qu'on avait alors prévu de faire. Je vais tout faire pour vous arranger, même si on vote aujourd'hui. Mais c'est clair, sur ce sujet, on avait le cas de Périgueux, hein, qui n'était pas tout à fait prêt, sur lequel on avait demandé à ce que Périgueux puisse aussi passer avec un an de décalage. Et là, c'est très clair, c'est la préfecture qui nous a bloqués, et il s'avère, en faisant vérifier ça par les cabinets d'avocats, qu'ils avaient raison. Mais aujourd'hui,
la décision qui a été prise par la préf, elle est claire, elle est de dire que tout le monde passe ou personne. Très bien qu'on se soit exprimé et que tu nous aies entendu, mais en France, il y a entendre et écouter. En France, la langue est riche. J'espère qu'on sera écouté sur les problèmes qu'on a posés. Il y en a tout un nombre. Alors, on a entendu des réponses. Hein. Après, sur le terrain, il faut le gérer. Bon, je veux bien qu'à Périgueux, il n'y ait pas de problème, hein, ni dans ce domaine, ni dans d'autres. Hein, mais voilà. Nous, on connaît les nôtres. Allez, bonsoir, Pascal. Alors. Bonsoir. Alors, la délib, vous l'avez sous les yeux. Moi, j'en rajoute pas plus. J'ai été... clair, en vous disant, vous pouvez vous faire plaisir à voter contre, ça ne change rien. Par contre, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, mais chacun après, il faut qu'il assume les responsabilités. Quitter le SMD3, je n'ai pas rajouté que d'abord, il faudrait qu'on nous laisse partir, tout peut se négocier. Quand on emmerde assez les gens, des fois, ils peuvent se débarrasser de nous. Par contre, il y aurait aussi des coûts exceptionnels, parce que même le siège qui a été construit et qui est un peu grand, eh ben, on aurait une quote-part, une soulte à payer, hein, en partant. Et je ne parle pas de tous les bacs enterrés. Un bac enterré, c'est 25 000 euros. Quand c'est des semi-enterrés, c'est 12 000 euros. Hein, donc, vous voyez, sur le territoire, quelle serait la soute à payer, hein? Alors, si le CIRTOM acceptait de payer, mais ne te fais pas trop d'illusions, Jean est parti, mais je ne pense pas, il y a quand même des délégués, ils accepteraient certainement de nous collecter, de nous traiter dans la négociation, mais dire que pour autant ils prendraient la soute, hein, c'est... Oui, mais eux, ce serait une demande qu'on leur ferait. C'est pas eux qui nous disent on veut vous reprendre. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Elle a coûté 1,7 million. Ouais, on est incapable d'avoir les moyens de partir et de payer la soulte. Hein? Ça, c'est, on est incapable. Bon, allez, tout ça, c'est les arguments. Alors, vous avez les différents considérants. Donc, il est proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré, de décider d'abroger, à compter du 31 décembre 2022, l'ensemble des délibérations fiscales relatives à la gestion du service public des déchets pris antérieurement par la communauté de communes limitée aux communes en question. Indiquer au SMD3 que la communauté de communes entend bénéficier des dispositions du Code général qui permet la perception des recettes issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat, et que le conseil communautaire sera par conséquent amené à délibérer à nouveau dans ce sens, c'est ce qui a été dit, après institution de la redevance incitative par le SMD3. Bon, qui est pour ? Oui. Oui, mais je peux le comprendre. Je le comprends. Mais faites quand même attention.
sur un cas de figure qui pourrait éventuellement se représenter. Bon, ce n'est pas un argument qui va dans le sens que je dis, qu'on n'a pas trop le choix. Si demain la communauté de communes était mise à contribution, d'une manière ou d'une autre, ce qui paraît difficile, mais mise à contribution avec du personnel, etc., ça serait l'ensemble de la communauté de communes qui serait à payer, vous y compris. Donc c'est par honnêteté que je dis ça, j'y crois pas, mais c'est par honnêteté moi aussi. Ok, mais oui, oui, mais... Oui, mais non, mais je comprends totalement. Mais dire que vous êtes totalement indépendant de ce dossier, c'est pas, ça peut ne pas être le cas éventuellement. Autre chose, si demain, si là, on ne vote pas, alors ça, mon juriste, il faut que tu sois me couvre. Hein, si on ne vote pas, alors vous allez dire, je me porte vachement des arguments pour faire voter. Hein, si vous ne votez pas. C'est la délibération la plus ancienne. J'ai passé une demi-matinée avec le mec de la DGFiP et quand je suis sorti, j'ai pas tout compris. Hein. C'est la délibération la plus ancienne qui s'applique. Quand elle a eu lieu, ce qui veut dire que demain, on n'a aucun la même chose. Hein, demain. Mais on a jusqu'au 15 octobre pour se réunir et reprendre une délibération qui nous met tous en redevance ou tous en taxe. Voilà. Donc c'est très complexe, mais ça ne les empêchera pas, vu que ça a été voté et qu'on est au CMD3 et qu'on ne peut pas en partir, d'instituer la redevance incitative dès maintenant. Donc cette possibilité que je vous donne, elle n'existe pas. Ouais. Bon allez, alors qui vous abstenez, ce que je peux comprendre. La ville de Terrasson, mais il n'y a pas que la ville de Terrasson. Voilà. Alors, qui s'abstient? Vote pour. Alors, faut regarder les pouvoirs parce que ça va se passer de pas grand chose. Attends, recompte bien parce que là, on a un choix très important. Et on va avoir droit à la première page des journaux. Hein. Parce qu'on en fout, on n'est pas possible. Alors les pour, on recommence les pour. Alors moi j'ai un... attends. Hein? J'ai un pouvoir. Hein? Alors je lève.
il y a 12 mois pour, si Pierron la calque, et 10 contre. Bon, ok. Mais voilà, c'est le vote. Alors après, j'ai quand même peu apprécié qu'on dise que je ne vous informe pas de tout ça. Parce que ça fait 3 ans que je me bagarre là-bas pour leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais quand vous avez un bureau d'études, un bureau d'études qui vous démontre par A plus B qu'il n'y a qu'une solution, c'est la redevance incitative. Et chaque fois que je prends la parole, quelles que soient les sensibilités politiques, chacun prend la parole et qui a assisté l'autre jour, je t'ai amené, chaque fois que j'ai pris la parole, il y a eu un mec derrière pour me dire que j'y comprenais rien. En gros, c'est ça. Mais c'est que ça, que c'est un projet avec 12-10. Ça prouve qu'il y a quand même quelque chose d'important. Donc je crois que c'est un vote qui est plus loin. C'est un vote tout à fait représentatif de notre climat ici. Et je vous en remercie. Et j'ai fait pas de torture à personne, tout le monde a voté comme il a voulu. Je vous ai dit mon point de vue. Alors, à propos. Alors, deuxième délibération, approbation du statut du SMD 3. Je pense que c'est à peu près le même vote. Hein? Oui, bon, et on vote ça. C'est le même vote, non? Hein? Alors, qui est, qui s'abstient? Qui est pour? C'est les mêmes 12. Et contre, ça doit être les mêmes. Non, ah bon. J'ai voté 2 fois différemment. Ah bon, mais je n'étais pas regardé mon premier. Et qui est contre? Alors, ça, c'est dans le cadre de la possibilité qui est offerte aux intercommunalités de pouvoir mettre en place des conventions de groupement de commandes, des marchés publics pour le compte des communes. Au jour d'aujourd'hui, on peut en faire à condition que la Comcom soit partie prenante du marché.
pour pouvoir vous accompagner dans la rédaction des marchés publics, notamment dans les futures acquisitions de bâches dans le cadre de la défense incendie, on vous propose de monter les marchés publics pour le compte des communes. Mais comme on n'achète pas nous de bâches, la Comcom, en théorie, on ne peut pas. Et pour cela, il faut nous autoriser statutairement à pouvoir porter ce type de procédure au sein de la collectivité. Dans tous les cas, donc, la Comcom n'a pas la compétence sur le marché de fauchage, puisque donc, c'est une compétence annexe à la voirie. Voilà. Donc, on avait donc soulevé le problème à la conférence des maires à Hautefort en décembre 2021. Et donc, pour cela, donc, on vous propose de rédiger les marchés, de passer les procédures pour le compte des communes. Et il est vrai qu'il va y avoir deux situations financières. Il va falloir qu'on résolve le problème des communes qui, au jour d'aujourd'hui, bénéficient du marché porté par l'Interco, à savoir les communes membres de l'ancienne Comcom du Terrassonnet. Et pour cela, du coup, on avait opté pour une proposition de remboursement auprès des communes via un fonds de concours à hauteur des marchés qui seraient portés par les communes. Il va falloir qu'on travaille sur l'assiette, dans ce cas-là, du montant du marché pour arriver à vous donner le montant qui serait dans le cadre du marché. Alors, on peut le faire aussi sur les AC, mais les AC, c'est figé. Oui, par la Comcom, tout à fait. On est d'accord. Alors, en l'espèce, du coup, aujourd'hui, c'est juste une habilitation pour pouvoir porter le marché. Et après, chaque commune sera amenée à délibérer sur la modification statutaire dans les 3 mois. Mais on n'arrête pas pour l'instant le système de retour auprès de la commune. On est d'accord. Là aussi, c'est l'histoire, et on a pris en compte totalement le grand Terrassonnet. Hein. Donc, c'est plutôt les autres qui pourraient revenir. Ouais. 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 Ben oui, mais c'était plutôt pour, dans un sens bénéfique, au grand Terrassonnet. À part le Lardin, qui n'est pas là-dedans. Parce qu'il était sorti de votre syndicat à l'époque. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que la municipalité de l'époque voulait pas que ce soit votre syndicat, je ne sais pas comment ils appelaient, le Civomag, parce qu'il disait, M. Gardet, qu'il y avait de l'argent, je préfère le faire quand je veux et pas attendre que la machine soit disponible. Donc le Lardin était sorti du Civomag à l'époque, et c'est pour ça qu'il ne bénéficie pas, comme les Terrassonnets, du même avantage. Ouais, ok. Ouais, ok. Et après, quand tu seras passé chez vous, ouais. Ça s'est réglé, puisque vous n'avez pas le... Ok. Donc là, je ne comprends pas que vous ne soyez pas pour, puisque c'est vous les bénéficiaires. Ok.
pas de payer deux fois, vous êtes bénéficiaire. Ouais. Alors, ça, c'était la première. Après, alors le vote, oui. Qui... J'ai rien à me troubler. Qui est contre ? Contre la modification statutaire qui permet de faire des conventions de groupement de commandes, et notamment quand si on achète les bâches ou si on pour la défense incendie ou d'autres choses. Non mais c'est pas pour la défense incendie qu'on vote, c'est un truc général. Mais je sais pas, il peut y avoir demain on achète des panneaux, hein, et on achète des panneaux qu'on met dans les communes et on fait un groupement de commandes pour l'acheter. Et la communauté de communes n'achète pas de panneaux et par cette délibre, elle pourra faire un groupement de commandes pour l'ensemble des communes. Mais vous ne paierez rien, hein, ceux qui ne veulent pas y être dans le groupement de commandes. Ce n'est pas obligatoire, tu n'as rien à perdre. Non, mais c'est un exemple si on achète pour tout le monde. Si à une époque, ouais, à une époque, sur les masques, on aurait pu, mais la communauté de communes avait acheté. Mais si les communes avaient voulu qu'on achète tous des masques pour tout le monde, et sans que la communauté en achète, il aurait fallu que... et ce n'était pas permis parce qu'on n'avait pas cette délibre. Oui, toi, c'est pas parce que M. Mounier n'est pas là qu'il faut en profiter. OK. Alors, qui c'est qui est contre ? Ça ne coûte rien à personne. Ça donne la possibilité uniquement à la communauté de communes, à votre demande, de grouper une commande ensemble. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, après, t'as quoi ? Alors, Madame Bourra. D'intérêt communautaire, c'est ça que vous voulez ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ah. D'accord. Alors, on y va. La loi NOTRe donc, a attribué à la région la compétence exclusive donc, en matière de développement économique. Et cependant, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, autrement dit le SR2I, organise sur le territoire régional la complémentarité des actions menées donc par la région en matière d'aide aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales. Voilà ce qu'est le SR2I, parce que je sais que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, aujourd'hui, on vous demande donc de passer d'un avenant à la convention relative à la mise en œuvre du SR2I et aux aides aux entreprises. Monsieur le Président, indique que le Conseil communautaire... que cette convention SR2I arrive à échéance donc le 1er juillet 2022. Il précise que le prochain schéma régional, donc le SR2I, et d'aide aux entreprises sera adopté lors de la plénière du Conseil régional donc du 20 juin prochain. Ainsi, afin d'éviter tout vide juridique, il nous est proposé une prolongation de notre convention jusqu'au 31 décembre 2023 afin de laisser le temps à la rédaction et au vote de la nouvelle convention SR2I mise en œuvre par la région. Pour rappel, l'objectif de cette convention est de mettre en œuvre sur le territoire le SR2I, d'engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et d'accueil des entreprises avec la communauté de communes et la région, d'arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place la communauté de communes et de garantir la complémentarité des interventions économiques de la communauté de communes avec la région. Il est donc proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré, valider l'avenant à la convention relative à la mise en œuvre du SR2I, d'autoriser le président de la communauté de communes à signer cet avenant et à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, la semi-père, je suis vraiment mal élevé de parler la bouche pleine, mais bon. Ça fait qu'un défaut de plus que j'ai, on n'est plus à un prêt.
Donc, le département. Alors, je ne vous dis pas rien, je vous traduis comment je le sais. Et ça va être très réduit. Le département et la Banque du Territoire ont décidé de créer une foncière commerciale et d'immobilier d'entreprise. Afin que, avec la somme qui sera à ce fonds, elle puisse acquérir des fonds de commerce, créer un projet économiquement viable et le revendre à le fonds de commerce. Voilà, donc les communes y participeront et par exemple il y a des communes qui ont déjà payé directement. Nous on vous propose, parce qu'on demandait 3 euros par habitant et même au départ c'était les villes qui devait payer 3 euros d'habitants qui étaient intéressés, et la Comcom. On a réussi à négocier à différentes réunions avec le Martinez, le directeur de la Banque des Territoires, et Germinal Perrault et ses services, qu'on puisse réduire ces 3 euros à 1 euro. Parce que 3 euros, ça faisait encore 70 000 euros. Je ne suis pas sûr que ça soit un truc exceptionnel, car il est prévu une quarantaine de dossiers au niveau de la Dordogne qui pourraient être pris en compte, et sur un certain nombre d'années. Donc ça ne fait pas beaucoup par an, et je ne suis pas sûr qu'on en profite vraiment. Par contre, c'est un peu comme tout à l'heure, je veux bien me battre avec tout le monde, mais des fois, dans cette société, on est bien obligé d'avaler quelques couleurs si on veut avancer. Donc la Banque des Territoires nous a quand même, les uns et les autres, beaucoup accompagnés dans nos projets d'investissement, avec des conditions financières assez exceptionnelles, et nous particulièrement sur les zones d'activité, où on vous a déjà expliqué le type d'emprunt que l'on a à des taux bas, où en fait on ne paye que les intérêts et on rembourse à mesure qu'on vend, et c'est du remboursement in fine, et on ne paye que à mesure, et on rembourse à mesure qu'on vend. Tout ça, c'est des conditions très favorables parce qu'on était petite ville de demain, ou qu'il y avait deux petites villes de demain, et qu'on est ORT. Et vu la demande plus que pressante de la Banque des Territoires, qu'on participe à cette opération, comme le Conseil Général, qui nous subventionne quand même beaucoup de choses, on joue le jeu. Je ne suis pas sûr que c'est un intérêt très direct sur le nombre de dossiers qui seront retenus. Donc, au lieu des trois, je vous propose 1 euro par habitant et de jouer le jeu avec le département et la Banque des Territoires. Et c'est la SEMIPER qui portera cette opération pour le département. Voilà, de façon très résumée. Il faut aussi qu'on nomme un représentant au conseil d'administration de la SEMIPER ou à l'Assemblée spéciale. L'Assemblée spéciale, c'est une assemblée qui décidera à son sein qui c'est qui va au conseil d'administration. Donc je propose la vice-présidente à l'économie, qui s'est particulièrement occupée de ce dossier, Francine Bourra. Et après, il faut aussi un représentant à l'Assemblée Générale, c'est-à-dire les actionnaires de la SEMIPER, et je propose d'être candidat avec Francine Bourra comme suppléante. Voilà, de résumer un dossier qui fait partie des grandes actions du département au niveau du conseil départemental. Qui est contre ou qui veut des explications, mais c'est résumé un peu à ma façon, avec un certain nombre de points d'interrogation sur les retombées financières, mais si on n'y participe pas, on se coupe un peu un bras dans la politique économique. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Après, qu'est-ce qu'on passe obligatoire? Alors, le programme LEADER, alors ça aussi, c'est compliqué. Alors, le LEADER, il y a toute une réorganisation des fonds européens.
Les fonds européens, c'est du FEDER. Et dans le FEDER, après, il y a deux volets. Il y a un volet leader et un volet OS5, c'est du FEADER. Hein, et tout ça, c'est le volet territorial. Donc, on a fait pas mal d'ateliers et pas mal d'objectifs, d'axes et de fiches actions pour qu'on essaye d'avoir un certain nombre d'opérations qui puissent être subventionnées dans le cadre de ces fonds européens. En sachant qu'il y a le volet territorial et que si on ne passe pas au volet territorial, on peut aller directement au FEDER qui est dirigé par la région en direct. Les aides que l'on a eues sur TRS, hein, on a quand même eu 300 000 euros, ça c'est arrivé directement sur du FEDER régional. Voilà, donc c'est un peu résumé, mais c'est une possibilité de se faire subventionner un certain nombre d'opérations, mais c'est quand même assez orienté sur l'économie sociale, sur de l'innovation, c'est pas tout qui sera retenu dans le leader. Et on a essayé, les uns et les autres, tout à côté, ce côté-là, qu'il y ait quand même des possibilités pour du vrai développement économique d'être financé. Et on a bien fait d'y participer, parce que c'est souvent un peu hein, le leader. Et par contre, il y a le véloroute dedans, où est fléché 600 000 euros. Hein. Ouais, donc ça ne fait pas beaucoup par commune, mais ça, c'est la vieille politique, mon cher Jean-Yves. La nouvelle politique, ce n'est pas ça, c'est des projets. Et autant, si tu divises, ça ne fait pas lourd, mais 600 000 euros sur la véloroute, ce n'est pas rien. Voilà. Alors, on a voté ça, ouais, je me perds des fois. On n'a pas voté. Qui est contre ? On risque rien, c'est une possibilité d'avoir des subventions, même si souvent ce qu'on voudrait subventionner n'est pas. Mais bon. Alors personne n'est contre, personne ne s'abstient. Bon, les autres sont pour, je vous remercie. Aide aux entreprises. Alors, Francine. Donc vous savez que la politique donc, de la communauté, une des principales compétences, donc, c'est l'économie. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons donc, pour objectif donc, de sauvegarder les entreprises existantes, de développer des nouvelles entreprises et d'aider au développement donc, des entreprises de notre territoire. Donc il vous est donc proposé donc, d'accorder des subventions à 6 entreprises dans le cadre de leur projet d'investissement. Alors bon, vous avez tous eu vous avez reçu donc le détail, je vais juste nommer les entreprises, dire le montant qui leur est attribué. Donc Aki France, donc qui est à la zone du Coutal donc de Terrasson, qui est dont l'activité est l'injection plastique, s'est vu attribuer un montant de subvention de 5000 euros sur un total d'investissement de 326 300. Donc c'est pas voilà. Donc en fait, alors je le dis, je vais l'expliquer une fois pour toutes, et je le réexpliquerai pas après pour les autres. Donc l'assiette subventionnable, c'est 20000 euros. Et on prend là-dessus 25%, voilà, le maximum que l'on puisse aider. Voilà, c'était notre règlement d'intervention que nous avons. Parce qu'on a, voilà, le budget. Voilà, le budget qui nous a été accordé en début d'année, c'est 150 000 euros. Voilà, donc avec ça, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc voilà, Aki France donc, s'est vu attribuer une subvention de 5 000 euros. Donc le montant de sa subvention est basé sur des devis. Si le montant des factures s'avère plus bas, bien évidemment, la subvention sera diminuée d'autant. Et il est possible de verser un acompte de subvention pour aider au mieux l'entreprise. Donc la deuxième entreprise qui a été aidée, c'est l'entreprise Label, qui est à la gare de Tenon. Donc c'est la confection de plats cuisinés végétariens. Donc c'est une création d'entreprise. Elle s'est vue attribuer un montant de subvention de 4 000 euros. Ensuite, c'est Créa Soudure, qui est 7 impasses nouvelles au Lardin Saint-Lazare. L'activité soudure, tuyauterie, ferronnerie, chaudronnerie, qui s'est vue attribuer un montant de subvention de 6 292 euros. Ensuite, la SARL Pénard, qui est ZAE du Moulin Rouge à Terrasson, donc pour laquelle on vous propose donc d'attribuer un montant de subvention de 7 500 euros.
Ensuite, la CESU Garage Beko ZA de Guinassou à Pazaillac, dont l'activité est de la mécanique automobile. Donc, on vous propose d'attribuer un montant de subvention de 4 577,65 €. L'entreprise Pierre Vedrenne, qui est une entreprise individuelle dont l'activité est les travaux paysagers et l'élagage d'instruction nid de frelons, on vous demande d'attribuer donc un montant de subvention de 5 000 €. Et la dernière est la SAS Époque Intelligence, qui est à Saint-Rabier, dont l'activité est la forme. Oui, mais elle a été. Alors, excusez-nous, mais elle a été rajoutée au dernier moment parce que pour que ces gens puissent prétendre donc à la subvention, on leur demande de fournir un certain nombre d'éléments financiers et ils ont été fournis à la dernière minute, donc on l'a rajouté. Alors. Donc son activité, c'est formation pour des chercheurs, ingénieurs sur les problématiques d'analyse de données, prédiction financière de risque. Ils font également de l'expertise, analyse de données et veille technologique, et également du développement de nouveaux logiciels et d'intelligence artificielle. Donc le montant de la subvention qu'on vous propose de leur attribuer est de 3 049 €. Donc je vais vous demander de bien vouloir voter l'ensemble de ces subventions proposées. Donc qui est... Oui, pardon. Ouais, vas-y. Alors, c'est le travail essentiel de Élodie Lacoste. Donc, les entreprises donc qui souhaitent avoir donc des aides au développement, donc nous sollicitent. Donc ensuite, Élodie demande de monter un certain nombre d'éléments et de dossiers. Et ensuite, on a des critères qui ont été déterminés donc dans notre règlement d'intervention. Ils doivent rentrer dans ces critères-là. Et une fois qu'on a vérifié qu'ils sont bien dans les critères, donc on vous les propose au vote. Alors, attends, je vais t'expliquer. Alors, attends, sauf erreur de ma part, ça, vous l'avez eu en main. Vous avez donc le détail. Là, simplement, je ne le relis pas, c'est tout. Sauf que le détail, tu l'as. On te dit que c'est un projet d'investissement, je te parle d'Aki France. Certes, si tu veux venir sur Aki France, certes, c'est une entreprise qui était implantée, effectivement, sur le Terrassonnet depuis longtemps. Sauf qu'il y a eu un changement donc, de dirigeant. Donc, c'est plus M. Bure, le dirigeant. Donc c'est un nouveau dirigeant qui est venu donc, et qui va modifier, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'était mal engagé, donc qui va investir pour pouvoir faire des nouvelles fabrications. Et donc cette personne-là, c'est dans ce cadre-là. Et donc on est bien là dans un cadre de développement pour sauvegarder une activité. Tout à fait. Et si ça ne rentre pas, voilà. Si ça ne rentre pas, évidemment, on ne les aide pas. C'est très clair, voilà. Voilà, mais je t'explique. Voilà. Donc, voilà, bon, Aki France, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une création, mais on n'aide pas que les créations. On aide aussi les entreprises qui ont des projets de développement. Et c'était bien marqué dans notre règlement intérieur, en tout cas, que vous avez voté il y a un certain temps, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Voilà, après, ben, vous l'avez eu, hein, le détail, donc moi, je ne le relis pas. Avec les montants des investissements. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ou y a-t-il d'autres questions? Donc, qui vote pour? Contre, pardon. Qui vote contre? Excusez-moi. Qui vote contre? Qui s'abstient? D'accord, je vous remercie. On est où, là? Terrain ? Ouais, alors. L'autre sujet. Attendez, j'arrive parce que là, du coup, ça a été un peu chamboulé. Voilà. Alors, le point suivant est la vente de terrain de la ZAE, aménagement et cession de terrain
et promesse unilatérale de vente. Alors, c'est cédé par le projet d'installation donc, d'une entreprise donc, pourvoyeuse d'une nouvelle activité et d'emploi, la communauté de communes propose à la vente des parcelles situées sur sa zone d'activité à Terrazan-les-Villedieu au profit d'Axtom Développement. Alors, je vous explique, Axtom Développement est la personne et la société qui va construire pour l'installation de Mondial Relais. Voilà. Vous avez souvent entendu parler de Mondial Relais, donc ce n'est pas Mondial Relais qui va investir, mais c'est le promoteur immobilier Axtom. Et Mondial Relais sera loué à Axtom. Alors, plusieurs parcelles donc, sur un terrain constructible situé dans le prolongement de la rue Marcel Michelin à Terrasson, d'une superficie d'environ 30 563 mètres carrés donc pour le terrain. Bon, je ne dis pas cadastré, donc il y a les numéros des parcelles. Bon, je ne pense pas que ça intéresse grand monde. Le projet donc, se décompose comme suit. Donc, un bâtiment à construire clé en main, composé de une messagerie de 6500 mètres carrés, dont 100 mètres carrés de drive. Une surface de bureau d'environ 450 mètres carrés au rez-de-chaussée. Et des emplacements de stationnement pour les véhicules légers, environ 100 places. Alors, le planning prévisionnel est le suivant. Signature de la promesse de vente au plus tard le 30 juin 2022. Dépôt des demandes d'autorisation de construire, autorisation de dépôt de permis de construire dès le 20 juin. Le prix d'acquisition... Ah, mais c'est le 20 juin. Alors, je ne sais pas qui a raison, là. C'est 20 juin ou 1er juillet ? Bon, donc il y a eu une modification de dernière minute, donc c'est le 20 juin. Excusez-nous. Le prix d'acquisition est de 23 euros le mètre carré. Donc, ce qui fera un total de 702 949 euros hors taxes net vendeur. Il est ici précisé donc que l'ensemble des frais, droits, émoluments, notariés et honoraires seront pris en charge par la société en sus. Donc, vu l'avis des domaines et au vu de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, donc d'accepter de céder au groupe Axtom Développement, qui réside à Paris, ou à toute autre société qui s'y substituerait les parcelles nues d'une contenance d'environ cadastrée section AK sous les numéros bon, listés en dessus. Voilà, et d'autoriser un dépôt de permis de construire dès le 1er juillet, alors dès le 20 juin, au nom de Axtom Développement ou toute autre société qui s'y substituerait. De dire que les frais notariés sont à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches requises pour l'exécution de la présente délibération et de signer tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente, y compris la promesse unilatérale de vente ou, sous sein privé, l'acte notarié définitif et plus généralement tous les actes d'exécution et de suivi du compromis puis de l'acte de vente. Ensuite, alors on vote là ou on fait... Allez, vas-y. Ils peuvent très bien se les réserver pour pouvoir agrandir par la suite. Et c'est ce qui me paraît logique en général. Je te réponds quand même. Donc, il reste à côté donc, de cette parcelle, il reste 40 000 mètres carrés. Donc, quand même, hein, donc sur cette même parcelle. Et ensuite, on a juste en dessous, on a 9 000 mètres carrés aussi qui sont encore aujourd'hui utilisables. Voilà. Et après, ben, on a peut-être un projet d'extension de cette zone. Une étude sera menée, effectivement. C'est nous.
Alors, je ne sais pas si... Bon, on a déjà expliqué ici qu'aujourd'hui, tu sais très bien que les régions sont en concurrence au niveau donc, de l'implantation d'entreprises. Donc, il est quand même de bon ton et de bonne guerre, en général, de faire une politique d'aide à l'implantation d'entreprises. Et si tu vas en Occitanie, donc je crois que M. Harel est bien placé pour en parler, il y a une véritable politique d'aide qui est beaucoup plus importante que ce qu'on fait nous, qui me semble être peanuts, je peux te le dire, au travers de ce qu'on pourrait faire normalement pour implanter des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable concurrence entre les régions. Et ça va être celui qui va être le plus attractif. Alors, on a déjà amené 100 emplois, on va en ramener encore 100. Bon, je ne sais pas, sur les dernières années, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup qui soient été créés à Terrasson. 100. Non mais effectivement. Ah. Alors comment tu fais? Bah, explique-nous alors, parce que moi je ne sais pas, effectivement, c'est peut-être du siècle passé, mais. Non. Tu nous parles d'implantation d'entreprises numériques qui travaillent sur le numérique. Alors, le jour où tu vas m'amener... Qu'est-ce que tu as cité? Si je peux me permettre, les uns comme les autres, on gère l'urgence et les cas qui se présentent à nous. Alors Jean-Yves, tu me parles d'entreprises polluantes. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est polluant. Mais ça veut dire restreindre notre rythme de vie, notre activité économique, réduire nos déchets aussi. Et je crois que la seule commune qui a émis un avis sous condition d'avoir des assurances sur la nature de la pollution concernant la chaudière CSR, c'est Condat, la commune de Condat-sur-Vézère. Je pense que Terrasson a délibéré sans aucune remarque et je trouve ça dommage. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il faut travailler vers une autre économie. Malheureusement, il y a des concurrences. Et si on avait le choix de choisir les activités qu'on souhaiterait implanter, crois-moi qu'effectivement, on choisirait. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et j'estime qu'amener 200 emplois à Terrasson, eh ben, écoute, je suis désolée, en un an, eh ben, je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà. Bon, après tout, après, chacun peut avoir... Tu as ton point de vue ? Non, mais... Je l'ai fait et je me serais bien dispensé de les installer ailleurs, hein, où
Alors moi, je suis heureux que tous ces sujets soient abordés ce soir. C'est dommage que ça tombe ce soir, on finira à 2h du matin. Mais c'est vraiment une question de transition écologique. Et là, on est en plein dedans sur des choix stratégiques à faire, des questions d'emploi. Et c'est sûr qu'il faut aller vers plus de résilience, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et ça va vouloir dire faire des compromis, et les uns comme les autres, y compris à notre niveau. Bon, alors, il n'y a pas d'autres remarques ? Alors ensuite, je propose donc la vente d'un terrain zone des Guinassous à monsieur et madame Chauvignac. Monsieur et madame Chauvignac, demeurant de route de Pazaillac à Guinassous. À la fin, non ? Ah ben, je sais pas. Un par un, alors excusez-moi. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, qui est contre l'installation donc de Mondial Relais ? Qui s'abstient ? Donc, abstention, une abstention ? Donc, je vous remercie. Deux. D'accord. Très bien. Alors, on passe au point suivant. Donc, vente du terrain zone des Guinassous. Donc, monsieur et madame Chauvignac, donc, qui demeurent deux routes de Pazaillac à Guinassous, donc sur la commune de La Feuillade, souhaitent acquérir la bande de terrain qui est située entre leur propriété et la voie d'accès à la zone d'activité de Guinassous. Cette bande est aujourd'hui un terrain, un délaissé de voirie qui appartient à la communauté de communes. Elle n'a pas d'utilité, mais génère des travaux d'entretien. Donc la superficie de la bande de terrain est d'environ 140 mètres carrés avant bornage. Il est proposé de la vendre au prix de 10 euros par mètre carré. Ce prix correspond au coût estimé du bornage et des frais d'acte. Donc il est proposé au conseil communautaire de décider de vendre la parcelle A145 située sur la commune de La Feuillade, dans la ZAE de Guinassous, d'une superficie de 140 mètres carrés, au prix de 10 euros le mètre, et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette transaction, et notamment les compromis de vente et actes de vente. Alors ça, c'est pour rendre service à la maison d'à côté, qui doit agrandir son parc. C'est ça. Et ça fait un an qu'on est sur ce dossier, parce que j'ai au moins appris quelque chose. Quand on rentre 1000 euros, je ne sais pas combien, 100 mètres carrés, je ne savais pas qu'il fallait demander une estimation des domaines. Et on le faisait d'ailleurs que quand on achetait. Donc bien, si j'ai vendu souvent des terrains assez importants, sans estimation des domaines. Or, quand tu achètes, il y a un plafond, je ne sais plus lequel, sur lequel l'estimation des domaines n'est pas obligatoire. 180 000 euros, je crois. Oui. Mais lorsque tu vends même 10 euros, il faut une estimation des domaines. C'est quelque chose que je ne savais pas. Ils ne viennent pas te voir et ça traîne des mois. Alors, et sur un dossier, vous êtes demandeur dans les mois. Bon. Alors, on l'a voté ça ? Non ? Non, pas encore. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Tout à fait. Alors, troisième point, extension donc ZAE de Bellevue à Tenon. Donc, dans le cadre donc, de notre compétence économie, on a prévu effectivement d'acheter donc, des terrains en vue d'installer donc, une zone artisanale donc, à Bellevue, donc, qui est à côté donc, de la clinique vétérinaire. Et voilà, cabinet vétérinaire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, par délibération donc, du 21 janvier, il avait été décidé d'acquérir 26 618 m2 pour un montant de 171 708 euros afin de réaliser cette zone et de prévoir les aménagements globaux de celle-ci dans le cadre de deux tranches pour un montant total de 504 635 euros. Les frais annexes d'actes et de maîtrise d'œuvre représentant un montant de 44 014,74 euros. Les dépenses totales s'élèvent en hors-taxe à 720 357,74. Donc deux entreprises aujourd'hui, trois entreprises souhaitent aujourd'hui s'installer dans cette zone. Donc je répète que ce sont des entreprises artisanales, des petites entreprises avec, ben, comme là, tout artisanat, deux ou trois emplois, sur des activités différentes et qui ne sont pas forcément déjà implantées. Donc, ouais, bon, il y a de la métallerie. Oui, elles existent, mais, ouais, mais elles viennent là-dessus. Voilà. Il y en a une qui fait des espaces verts. Oui, la métallerie. Et une autre qui fait des métalleries. Voilà. C'est des petits artisans. Oui, c'est ça. Mais c'est une zone artisanale, donc voilà.
Il est donc nécessaire de procéder aux premiers aménagements donc, de cette zone qui seront construits de constitutifs de la première tranche de travaux et éligibles à une demande de subvention de ETR au titre de l'exercice 2022 sur cette première tranche. La tranche 2 fera l'objet d'une de ETR en 2023. Ainsi, le montant des travaux estimés pour la mise en place de la voirie et des différents réseaux s'élèverait à 150 000 euros. Alors, le plan de financement prévisionnel. Donc, pour une dépense de 150 000 euros correspondant aux travaux d'aménagement, les recettes seront État DETR DSIL à hauteur de 22%, 33 000 euros. Le conseil départemental à hauteur de 25%, 37 500 euros. Il reste à charge de la communauté de communes à 53% pour 79 500 euros. Il est donc proposé au conseil communautaire de décider de donner son accord pour la réalisation des aménagements nécessaires dans le cadre de cette première tranche relative à la création de la zone d'activité économique communautaire, d'approuver le plan de financement prévisionnel, d'autoriser le président à lancer les travaux dans le cadre de marché MAPA et de solliciter auprès de l'État des ETR DSIL une subvention à hauteur de 22% et le conseil départemental à hauteur de 25%. De noter que le financement résiduel sera fléché via un emprunt comme inscrit au budget zone d'activité économique via un service dédié au secteur de Bellevue. Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des questions ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.